Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous très bien. On voit déjà Maza dans le chat. Salut Maza. J'espère que t'es content d'être le premier VIP de la chaîne. Le premier. Le seul et unique. Le moteur. Le moteur d'Overlord, il est là, il est dans le chat. Il a son petit logo VIP, ça y est. Peut-être un jour modo, mais pas pour le moment en tout cas. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement dans votre siège, car ce soir, on a du lourd. On a du lourd, bonsoir, bon Maza. On a du lourd, car ce soir, on a une interview du bon Schnezel. Voilà. Enfin, une émission qui ne traite pas de Shattern. Sur 5 émissions, les 4 premières étaient destinées à Shattern. Et on se rappelle aussi que la dernière émission était il y a 3 semaines, avec l'interview du bon KLN, main support, chez Shattern, justement. Aujourd'hui, enfin, on passe à notre équipe, on va passer à Nexus avec notamment Schnezel VB, très con. Voilà, et je suis très content d'avoir fait cette interview. Alors oui, comme pour KLN il y a 3 semaines, l'interview n'est pas en direct. Voilà, on était censé recevoir Schnezel en direct ce soir. Il était censé venir, mais le problème c'est qu'en début de semaine, quand on a discuté tous les deux pour mettre en place l'interview, il s'est rappelé qu'il avait un scrim. Voilà. Donc actuellement, Schnezel est en scrim, donc il ne pourra pas venir dans l'émission, mais ce n'est pas grave, car on a tout prévu. Et l'interview a été tournée en amont, hier après-midi. Donc une interview très qualitative, puis-je dire. Quel soir, ouais, c'est vrai que c'est un soir, quoi. Pire, c'est qu'il s'en est souvenu comme ça, instantanément, on discutait, puis il se dit, mais merde, mais j'ai un scrim, moi, lundi. Mais bon, c'est pas grave, comme je vous l'ai dit, l'interview a été tournée en amont, hier après-midi. Une interview, donc je vais vous expliquer un peu le déroulement de cette interview, une interview qui de mon point de vue est très qualitative. Je pense que c'est même un niveau au-dessus de l'interview de KLN, qui je trouve était déjà plutôt bien il y a 2-3 semaines. On a parlé de beaucoup de sujets avec Schnezel, on a parlé notamment de sa meilleure époque, on va dire, dans le temps avec NET et Odinet. Là où, on va dire, le niveau français sur Xbox était le plus haut, et je pense le sera et le restera à jamais. Et on a aussi parlé de plein d'autres sujets, comme avant Overwatch, oui, parce qu'il a joué à d'autres jeux avant Overwatch, et il nous en a parlé, on en a discuté avec lui. Et on a évoqué également plein de sujets, hein, comme le Tier 4 CGL, sa récente équipe Nexus, où il est actuellement. On a parlé de beaucoup de choses. Encore une fois, c'était une interview très longue. Hein. En général, les interviews avec moi sont toujours très longues. La semaine dernière, il y a 3 semaines avec Hélène, l'interview durait 1h40. Et là, on a une interview qui dure 1h35, donc à peu près pareil. Aksha, ça vient dans le chat et ça dit même pas bonjour. Je suis déçu. Je suis déçu. Surtout que Schnezel n'est pas là ce soir, donc tu viens pour rien, quoi. L'interview a été tournée hier. Donc je vais vous la passer juste après. Pourquoi t'es pas VIP? Bah écoute, le jour où tu seras toujours sur le live comme Maza, tu vois, tu seras peut-être VIP. Parce qu'en attendant, Maza, c'est voilà, c'est le fanboy de l'émission pour le moment, donc t'as pas le droit d'être VIP. Ah mais oh. Vilain action. En plus, il y a une petite souris à Mongus qui t'attend juste après là. Enfin bref, une interview tournée avec Schnezel qui j'espère vous plaira. Moi, ça a été un pur plaisir de tourner cette émission avec. Cette interview avec Schnezel. Voilà, on a parlé de beaucoup de sujets. Beaucoup de sujets abordés avec lui. C'est bien amusé, on s'est bien marré. On en apprend beaucoup plus en fait sur le personnage qu'il est, sur le joueur qu'il a été, notamment à l'époque d'Odinet. Et on en apprend beaucoup aussi sur sa personnalité, sa vision des choses au sein d'une équipe et comment les gens devraient voir une compétition de son point de vue. Donc on en apprend vraiment beaucoup. Et c'était vraiment un pur plaisir. Donc j'espère que ça va vous plaire. Vraiment. On va pas perdre plus de temps, je vais vous l'envoyer tout de suite. Étant donné que l'interview est longue, encore une fois 1h35, on va pas attendre plus longtemps parce que sinon la vision va durer beaucoup trop longtemps. Voilà. Aussi, on dit bonjour aux gens de YouTube, hein, parce que l'interview sera également sur YouTube. Hein. Il parle à qui? Il parle à toi, ça. Allez. Bon, c'est pas faire les gammes dans mon chat là. Attention, je vous vois.
Sur ce, je vous envoie l'interview du coup, les gars. J'étais là, YouTube. Ouais, t'étais là. T'étais là, t'es toujours là, de toute façon. Le plus régulier. Je vais donc vous envoyer l'interview. 1h40. 1h35 en fait, techniquement. Dites-moi quand je la lance si le son il est bon, si l'image elle est bonne. Voilà, s'il y a besoin de faire quelques petits réglages. Sur ce, bah, moi je vous dis à dans 1h35 et je vous laisse avec cette émission numéro 5 avec l'interview de Schnezel. A tout à l'heure. Bonsoir Schnezel. Bonsoir Fredo, comment tu vas? Ah bah ça va très bien, écoute, je suis très heureux de t'avoir ce soir pour cette émission numéro 5. T'as tenu ta promesse, t'as dit que tu participerais pardon dans l'émission ouais. Au petit interview, ouais. T'es venu donc ça fait très plaisir. Fais une bouteille d'eau avec moi. Ah la c'est bouteille bon. D'eau. Ah faut bien s'hydrater hein, parce que c'est un marathon de faire l'interview avec moi, hein. Calais 1h40 hein. Non tranquille, moi j'aime bien parler comme j'ai dit, j'adore parler. Parfait, parfait. Bon normalement ça devrait être un peu moins long. Juste expliquer un petit peu le programme. De quoi on va parler et tout, parce que voilà, j'ai préparé plusieurs petits sujets intéressants qui, je pense, te feront plaisir, dans la majorité en tout cas, peut-être pas tous, mais bon, on verra. Ouais, t'inquiète. Hein. On va bien sûr commencer d'abord par parler de toi, hein, c'est tout à fait logique, c'est ton interview, on est là aussi pour apprendre à mieux te connaître, surtout pour ceux qui ne te connaissent pas du tout, parce qu'il y en a, j'en suis sûr. C'est possible. Donc, que qui ça peut être. Pas, en fait, ouais, putain. Tu te connais pas, c'est vrai. T'es famous, mais. Écoute, il y a peut-être des gens qui ils savent pas quitter quoi. J'accepte. Donc, dans le doute, voilà, on va commencer un petit peu à parler de toi, ton parcours, où est-ce que t'as commencé, tes différentes équipes, parce que t'as fait beaucoup d'équipes, notamment ben, à haut niveau, hein, on pense pas notamment ça, hein. À NET quoi. NET, Wattunet, ou même Infinity il y a très longtemps. Bah, NET, Odin, c'est un peu la même chose, pratiquement. Oui, c'est pratiquement la même chose, c'est vrai. Mais bon, voilà. On parlera aussi de quelques tournois que t'as fait qui m'intéressent. Mm-hmm. Moi, j'ai pas trop de connaissances dessus, donc on verra. C'est des tournois que t'as gagné avec Odinette notamment, qui sont aussi sur Twitter dans ta description. Ma donc bio, on en parlera un petit peu. Après, on parlera bien évidemment de ton équipe actuelle qui est Nexus, hein, de votre parcours actuellement au CGL Tier 4, de comment se porte l'équipe, et puis on se voit qu'en plus en ce moment vous faites de très bonnes perfs, donc on aura l'occasion d'en discuter. Après, on finira par évoquer un tout petit peu le Tier 4, même si je sais que tu regardes pas trop les équipes contre qui tu joues, on parlera un tout petit peu du Tier 4 pour voir ce que tu en penses. Tu nous feras un petit effort quand même. À chaque fois que je prends des scrims, les gens me disent en scrim contre qui, j'ai dit ah. Je sais pas. En scrim. Ah, j'espère quand même que quand tu joues contre nous, tu sais qui on est, quoi. Oui, ça va, non, je sais pas. Ce serait vraiment insultant. Et du coup, qui m'interview là, je sais même plus qui m'interview. Ah merde, bah, je crois que c'est un mec qui s'appelle Onyx. Et... Ok. Ouais, parce que c'est vrai qu'Alfredo, bah c'est plus moi, quoi. Enfin bref. Hors sujet, je me suis pas mis en Do Not Disturb sur Discord, voilà, c'est fait. Voilà. Aïe, je sais même pas comment on peut se mettre en Do Not Disturb, n'est-ce pas? Bah écoute, maintenant c'est fait. Bah écoute, on va commencer du coup, on va commencer par parler déjà de ton parcours, tes débuts, hein, par ordre chronologique forcément, donc on va commencer bien avant Nexus, on va remonter potentiellement à même 2 ans en arrière. C'est vrai que t'as bientôt fait 2 ans, saison. Ah ouais, 2 ans, c'est vrai que c'est... Putain ouais, saison 8. Que le temps passe vite, ouais. Que le temps passe vite, c'est le cas de le dire. Donc on va commencer par tes débuts, un peu comme ce que j'avais fait avec Kalen il y a 2 semaines de cela déjà, voire 3. Déjà, on aimerait savoir déjà où est-ce que tu as commencé, mon bon Schnezel, tes toutes premières équipes, parce que moi je te connais sur quel jeu ou pas. Puis à noter, tu peux parler de tes jeux avant même, j'avais pas réfléchi à ça, mais en vrai, si tu veux même parler d'avant Overwatch, tu peux, ouais, vas-y. Ok, bah en vrai, il s'est pas passé grand chose avant Overwatch, un tout petit peu. Sur BE2, c'est le moment où j'ai commencé à découvrir un peu les compétitions, c'était en 2014, donc j'avais genre 14 ans. C'est sur BO2 avec une équipe dont je me rappelle plus le nom. Et je connaissais pas ça avant parce que moi j'étais plutôt sans casque, je jouais tranquille pour m'amuser et jouant à R&D, à faire des trolls, etc. Et j'ai trouvé une équipe qui m'a fait découvrir un peu ça et c'est de là où tout est parti. Ensuite j'ai bougé sur Black Ops 3 du coup. Et c'est là où j'ai pu faire des tournois, notamment avec un de mes bons potes qui est encore d'actualité qui s'appelle Darky Rox. Et un autre que j'ai perdu depuis. Bon, on avait gagné un tournoi d'un streamer, je sais plus combien il avait 100 viewers constants. Bon, bref, c'était sympa. C'est pas là le jour de la finale, mais on a quand même gagné.
Ensuite, pour arriver crescendo, j'étais sur Rainbow Six. Rainbow Six, où là, pour le coup, j'ai commencé à faire des GKG avec une équipe qui s'appelait Eze. Ouais, c'est assez kikou comme nom d'équipe Eze, hein, mais on a les équipes qu'on mérite. Hein, On a tous eu un moment qui coûte, de toute façon, on a c'est. tous eu un moment kikou. Et avec Eze, bah, du coup, première saison que je fais à Rainbow, je suis diamant. Et on a une petite équipe qui peut se faire des scrims contre Vitality et Supremacy, quoi. On a une équipe qui est quand même assez solide. Tu vois, parce que je sais pas si Ouais. tu te rappelles de l'époque Vitality Supremacy sur Rainbow Six. À J'ai l'époque, jamais touché c'était. au jeu, donc pas du tout. Ah, ok, pas du tout. Bah, Là, à je l'époque, découvre, là. Vitality et Supremacy, je crois qu'ils sont, ils sont arrivés en finale de la Coupe du Monde de Rainbow Six. Je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais entre parenthèses, ils sont arrivés en finale du côté console. Et nous, ça nous arrivait de l'escrime. Donc c'était pas mal avec Ah ouais, quand Vitality même. Ah ouais, Lyon. c'est du niveau, quand même. Ouais, ça va. Ouais. Franchement, on était vraiment pas mauvais à ce niveau-là. Ah bah quand t'as J'ai une équipe abandonné. qui participe au chemin du monde et qui Non, accepte de vous scrim. on n'a pas participé au championnat du Ah monde. mais je On a parle de eux. réussi. Ah oui, Si bien eux ils sûr. acceptent de vous scrim, c'est que vous avez quand même un certain niveau, sinon ils auraient On pas scrim. était pas mauvais. Après, on avait des gens qui étaient trop un peu hyperactifs dans l'équipe. Du coup, ils bougeaient un peu tout le temps. Moi, j'étais plus le mec qui restait sur le point tranquillement. Donc, mes gameplays n'étaient pas ultra incroyables, mais c'était sympa. C'était sympa. Ils nous explosaient toujours 4-0. Toujours 4-0, mais c'était sympa. Ah, On fait ce qu'on c'était. peut. Ouais, vous apprenez plein de choses quand même dans ces scrims, Ah ouais, j'imagine. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais après, on était une jeune équipe, je pense que la moyenne d'âge, ça devait être genre 15-16, tu vois. Donc, Ah, déjà là, tu me dis bref. que t'as commencé à 14 ans, on rappelle, t'as quel âge là, 22 ans, je crois? Là, j'ai 20 ans. 20 Oula, ans? 22 ans, Oula, tu me je te vois tapes plus. une. Oula, merde. C'est vrai que maintenant que t'en parles, je suis très vieux. Maintenant que t'en parles. Ah ouais, donc ouais, entre 14 et 20 ans, oula, c'est vrai que c'est. Ça remonte maintenant, hein, Ouais, non, mais c'est quatorze, passé à tu comptes côté. pas l'année de 14, c'est vraiment genre je commençais à comprendre ce que Bah, tu c'était un comprends scrim, mieux tu vois. vraiment, Tu vois, ouais. comprendre ce que c'est un scrim, pareil pour BO3, je commençais vraiment à comprendre. Et du coup, après Rainbow, j'ai arrêté Rainbow parce que je trouvais que le jeu était codé avec le cul. Donc, prendre des têtes à travers des murs, des trucs comme ça, j'ai fait bon, j'ai eu ma dose. Ça fait mal Et ça. je suis arrivé sur Overwatch. Je crois que c'était fin de saison 3-4. Je sais plus, j'ai même plus mes stats. Ah, donc t'étais pas là en bêta, t'étais pas là dès le début, quoi. J'étais pas là en bêta, je termine ma première saison de diamant avec main Pharah, Ana Reinhardt. Je me suis toujours dit que c'était bien d'avoir un perso dans chaque rôle. Comme ça, au moins, j'ai toujours eu cette idée globale que dans Overwatch, tu devais de pouvoir jouer la plupart des persos. Ah oui, bah clairement. Vu que c'est un jeu où tu dois t'adapter toujours, si tu sais jouer tous les persos, t'es le meilleur joueur au monde, tu vois. Moi, c'est comme ça que je le voyais, et du coup, j'essayais de me forcer à jouer tout. Bah, de toute façon, ça se voit, hein, même dans beaucoup d'équipes que t'as fait après. Moi, je t'ai déjà vu main tank des fois dans certaines équipes jouer Reinhardt comme off tank. Bah, tu sais, mon plus gros, moi j'ai toujours dit aux gens, vous savez pas étonné que je sois main tank. Sur la plus grosse saison que j'ai faite sur mon main, c'était sur Reinhardt, où je suis arrivé, je sais plus combien, 4300 et quelques. Donc, Reinhardt, c'est un perso que j'ai beaucoup joué, hein, le main tank. Hein. Mais pareil, hein, tu regardes toutes mes saisons de ranked, t'as pas une seule fois le même main en fait. Et à chaque fois, t'as un main différent, soit Orisa, soit Reinhardt, Bah soit Rodox. justement, de toute façon, t'es très flex, hein, c'est aussi ce qui fait ta force. Et de toute Mais façon, c'est on ce peut que le je veux voir dire, surtout. actuellement avec le magnifique gameplay en fond de Scrym Nexus contre Arcane. On te voit notamment jouer Torbjörn. Non, mais Torbjörn, moi je trouve ça trop fort. Enfin bref, c'est un autre débat. Mais du coup, On n'est pas ouais, là pour débattre de Torbjörn pendant toute la soirée, mais. c'est ça. Mais cool. Du coup, ouais, saison 6-7, je me vois obligé de jouer Mercy étant donné que la force qu'elle a et que personne n'a envie de la jouer. Ce qui fait de moi un Mercy main. Donc, c'est un peu triste, mais c'est la vie. Je crois que c'est la première fois que je touche le GM aussi sur un Mercy main. Bon, c'est triste, mais c'est la vie hein, Ah bah ouais. Bah, tu joues Ça va quoi. faire des sacrifices quoi. Ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai envie de désinstaller le jeu. Je dis bon, c'est bon, ça m'intéresse plus trop. Donc je dis je vais désinstaller le jeu. Et peut-être 2 semaines plus tard, t'as quelqu'un que je ne nommerai pas qui me demande est-ce que tu voudrais être mon co-capitaine dans l'équipe net. Et moi je fais ouais carrément, pourquoi RG pas, ça me dément? chaufferait. Hein? RG dément? Oui, c'est lui, exactement. Et on ne le nomme pas, ça ne Mince. sert à rien de le nommer. Ça ne sert à Celui rien de dont le on ne doit nommer. pas prononcer le nom. Exactement, bah, si, mais pas ambiant du coup. Aïe. Et du coup, bah, il me dit, est-ce que tu voudrais venir mon équipe? Et moi, je dis, ouais, bah, carrément, écoute, hein, je vais réinstaller le jeu et puis je vais venir. Mais à l'époque, ce joueur, tu le connaissais ou pas? Ou t'en avais déjà entendu parler Oui, ou pas du tout? on jouait, hein, ça nous arrivait de jouer ensemble. Bah, j'étais un mec qui jouait Mercy et RG Démon, c'était un DPS, donc ça lui Ouais, il arrivait jouait beaucoup de me Pharah, demander de notamment venir Pharah jouer, Soldat, quoi. hein. Ouais. De quoi?
Il jouait notamment beaucoup Pharah Soldat, il me semble. Ouais, Pharah, Soldat, Macri, mais en général, c'était un main soldat de base, hein, Ouais, c'était un c'était un main soldat. Hein. soldat. Et à l'époque où du coup je jouais Mercy, ça tombait bien que Bah, bah tu moi je puisses le sois là quoi. pocket, ouais. C'est ça. Donc, Donc tu après j'ai joué connaissais à. ça, et puis t'as proposé une équipe, et t'as dit, bah, vas-y, je suis chaud. Ouais, je jouais aussi avec Naga à l'époque aussi. Ouais, Naga, on Et connaît d'autres. tous. Et Naga et d'autres gens dont je me souviens plus trop le nom. Mais en général, j'étais plus solo queue moi. J'étais vraiment full solo queue. Après, les temps ont changé maintenant, la solo queue. Bon. Ah, bah, c'est sûr. Mais quand Tu t'as t'es pour rejoint les énerver. NET du coup, parce que toi tu m'as dit que t'étais main Mercy entre guillemets à ce moment-là, t'as rejoint l'équipe, il t'a dit tu joues Mercy En ou tu joues gros, autre non, chose? non, il m'a dit, il me voulait dans l'équipe en tant que main heal, tu vois. Ouais. On est rentré dans l'équipe avec Urosem. Urosem qui pensait moins fort que moi. Donc il m'a dit, tu vas jouer le main Urosem c'est heal. Mercuro. Ouais, mais Urosem c'est Mercuro, Ouais, ouais. Du coup, maintenant c'est Uro, enfin bref. ok. Ouais. Donc, il m'a dit, tu vas rentrer en tant que main heal parce que je jouais beaucoup d'Ana et j'étais pas mauvais sur Ana. Et donc on avait dans l'équipe, on avait qui? On avait Blond Bâton, on avait No Dragon Blade, donc NDB. On a réussi à choper Arma, donc t'as des gros noms dans cette équipe. Ah, bah des Hein. gros noms, clairement. Arma Oh, qui je pense juste. les meilleurs off tank FR, non? Enfin, de mon Je point de vue. pense, hein, je pense que Arma a un des meilleurs tanks FR. Hein. Ah, Arma, je pense que c'est meilleur tank FR, mais plus ranked que équipe, même si en équipe il est monstrueux, Ouais. son potentiel il est vraiment Je le délivré connais pas plus que en ça, ranked. mais juste les rares matchs d'NET que j'avais vu, je le voyais jouer ça à Rordok, c'était la folie. Hein. Ah bah, quand t'as un Arma avec toi, en général. Ah, t'es content. Déjà, ton main tank, il est beaucoup plus rassuré parce que de ce que me disait NDB, Arma, il aimait bien pocket, juste farmer le shield de Reinhardt adverse. Donc en fait, le shield du Reinhardt, bah, il fondait parce qu'il arrivait, il était toujours à 100. Et du coup, NDB me disait, c'est trop bien parce que du coup, j'ai toujours un avantage sur Reinhardt d'en face. Ah bah ouais, tu dois être Donc, content. ouais, c'était pas mal. On avait Arma, on avait RG Démon du coup en DPS avec Blond Bâton qui jouait D.Va au début et puis après le premier match on a fait bon bah Schnitzel qui jouait heal, il va passer D.Va, c'était l'époque de la GOAT. Ouais. Et Blond Bâton je sais plus sur quoi il est passé, peut-être Brigitte, un truc comme ça. Brigitte, ouais. Après, à Ouais, l'époque, Brigitte. je me souviens, ça c'était la saison, bah moi j'étais chez Odyssey justement. Au tout début de la saison, vous jouez pratiquement jamais de GOAT, hein. Vous étiez beaucoup une équipe ranked, je trouve. Alors je te jure que premier match, parce que ça m'arrive de le regarder. Premier match contre Infinity, donc qui étaient les Infinity, ouais. anciens champions, Ouais. c'est nous qui sortons la GOAT en premier. Eux, ils avaient pris une dive, nous on a pris GOAT, donc forcément bah, on a gagné le fight parce que GOAT compte dive. Et Ouais, bah oui. on les sent zéro. Deuxième map, je crois qu'on la perd cette map-là en plus de ça. Mais ouais, c'est nous qui sortions la GOAT. Après, on n'était pas. Pas te mentir, je me rappelle plus de trop comment on faisait les comps, hein. Ça commence à remonter. Bah moi je me souviens Ah, au début de... Moi je me souviens quand on s'était inscrit avec Odyssey, qu'on avait vu votre équipe, on avait dit ah ouais les noms là ça claque et tout. Enfin ça allait être chaud quoi. Puis je me souviens que le tout début de saison que vous avez fait à l'époque, il y avait pas mal de matchs que vous perdiez et on était étonnés, on se disait mais comment ils perdent contre eux? Genre notamment je sais plus, il me semble que vous avez perdu un moment contre Black Chicken ou je sais plus qui. Ça aussi, nous je avait m'en souviens étonnés plus. d'ailleurs, on s'est dit mais comment ils peuvent perdre contre eux alors que vu les noms. Et en fait, c'est vrai que quand on regardait votre jeu, parce que peut-être qu'au début tu me disais que vous jouez beaucoup de GOAT, mais moi je me souviens d'un match notamment mais sur Route 106 où il y avait beaucoup genre de Pharah Mercy et tout, et ça jouait un peu tout seul en fait. Et il me semble d'ailleurs que Ouais. tu m'avais dit à l'époque, alors peut-être que je me trompe, que c'était d'ailleurs pour ça que t'étais parti de l'équipe, une des raisons, t'as rejoint Infinity aussi. Il me semble que vous faisiez pas beaucoup de scrims aussi, ce que tu m'avais dit à l'époque. En gros, moi, la raison pourquoi je suis parti de NET à l'époque, hein, je suis parti du coup pour rejoindre Infinity, c'est parce que je me faisais chier dans mon équipe, parce que personne n'avait envie de jouer, il n'y avait pas de scrim, Ouais. et du coup, bah, j'ai fait, bah les gars, amusez-vous bien, et je suis parti chez Infinity, Sur Infinity, ouais. avec bah, Hisoka, Anita Shepherd, et les noms qu'on connaît, hein, de Infinity, Gradius aussi, et Gradius, gros joueur. c'était pour le mieux, hein, c'était pour le mieux, clairement, Ah bah hein. clairement. J'avais du temps de jeu, j'avais des scrims. Bon, j'ai pas gagné la finale, mais ça, c'est un peu ma touche personnelle de pas gagner les finales, à part la dernière. Et ouais, c'était sympa. Je me suis retrouvé à jouer main tank en finale quand même. Bah j'ai Mais l'impression sinon. qu'à partir du moment où t'es parti, ça... Tu sais, ça les a réveillés un peu à noter. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est Genre, ça, tu sais, ils se sont mais dit, ah je sais merde, on pas. a perdu Schnitzel, peut-être qu'il faudrait qu'on revoie un peu Je sais pas notre si un projet de si fusion. un rapport. Je sais pas s'il y a un rapport parce qu'ils ont jamais Oui, après, vraiment. il y a peut-être pas de rapport, mais c'est un peu le même Ouais, je. timing, quoi. Donc on peut peut-être se poser des questions et... Moi, tu sais, je suis un flex player, donc quoi qu'il arrive, je suis pas irremplaçable, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Oui. que bah c'est cool si je suis là parce que du coup bah je peux supporter pas mal de choses, mais si je suis pas là, ça revient au même, tu vois. Bah de toute façon, ouais, Donc, c'est ça. De toute façon, pas c'est vrai que sûr c'était que. mieux pour toi de finalement rejoindre Infinity. T'avais dit que NET faisait pas vraiment de scrim. Toi, je pense que tu voulais vraiment faire de la compète, je pense.
Ouais, c'est ça. Ouais, moi, du coup, tu sais, j'avais un peu réinstallé le jeu pour ça, tu vois, donc. Donc c'est dommage que finalement, voilà quoi. De T'es quoi, peut-être. bah. Après, je suis reparti chez eux, donc finalement. Oui, mais après l'équipe ressemblait plus à du tout à la même. Il y avait plein de joueurs qui étaient plus dans l'équipe. Il y a Ah des joueurs, il y a bah. même des joueurs, il y a des noms que je me souviens même plus qui après sont partis pour le CGL et De tout. C'était plus la même Net? équipe. De Net? Ouais. Par exemple, RG Bah, Démon, il était plus. Il y avait un mec qui s'appelait Ouais, RG Turkish, alors. je crois aussi. Par exemple, je connais pas, Qui? tu vois. RG Turkish. Non, il était pas avec nous, lui. Oula. Au tout début d'ANET, il était dans votre line-up. Je le voyais jouer. Ah ouais? Ah oui, au Ok. tout début. C'était vraiment au tout début. C'était vraiment Mais au tout je crois que lui, W, ça. c'était juste un pote de RG Démon. C'était juste un pote de RG Démon, mais je crois que je l'ai toujours trouvé très très nul. Ah. Je connais Ah pas. oui! Moi, je ne fais que sortir des Pour les noms gens que qui j'ai vus ne comme me connaissent ça, pas, je suis assez il y a direct longtemps. aussi. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis assez direct. Ah non, mais tant Non, mieux. je pensais vraiment Moi, qu'il était j'aime nul à les gens chier qui pour sont le coup. directs, de toute façon. Je pensais vraiment qu'il était nul à chier sur le coup. Ok. Bah, de Et toute façon, ouais. Votre line-up avait beaucoup évolué, de toute façon. Puis, entre la c'est vrai line-up qu'il y a eu un NET de montage. l'OWX et NET de CGL après, ça n'avait rien à voir, quoi. Ouais, bah, de ce que j'ai compris quand j'ai rejoint du coup Net, du coup, parce que c'est pas que c'est toujours Net. Quand j'ai rejoint Net, du coup, ils avaient fait un tri, ils avaient fait un coup d'état entre parenthèses sur RG Démon. Ouais, RG je me Démon, souviens de ça. bah, qui était vraiment pas quelqu'un avec qui t'as envie de faire une équipe et qui ne comprend rien à Overwatch, qui a juste une aim, hein, c'est tout ce qu'il a, RG Démon. Et du coup, ils ont fait un coup d'état et ils ont viré ceux qu'ils ne voulaient pas et ils ont gardé bah, les bons joueurs, quoi. Entre parenthèses. Ok. Les mots sont durs du côté de Schnezel, mais... Bah non, non, non. Mais j'aime bien quand c'est direct. C'est mérité, hein, c'est Ouais. mérité. Ok, bah écoute, un bon petit début du coup. Ouais, Moi, très ce que je note, Kem, c'est que t'as commencé très tôt, même si c'est vrai que 14 ans, c'est entre parenthèses. Et c'est vrai que pour le coup, bien. je Ouais, savais pas vraiment, que je t'ai t'avais... dit, Je savais pas que t'avais 14 ans, 20... Xbox 360, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, je vois. C'est vraiment, mec, je considère ça comme mes débuts, tu vois, mais... Mais globalement, en fait, tu dis ça parce que c'est sûrement aussi... comment... C'est Black Ops et merde, l'autre Ah, jeu. mais. Et Rainbow Six qui t'ont donné envie de faire Ouais, de la c'est 2 compétition sur FPS. des jeux, sûrement. C'est les Ouais, c'est FPS, ouais. ça. C'est ça. Bah, c'est plus Black Ops. Les Black Ops, vraiment, moi, ça m'a bercé toute mon enfance. Black Ops 3, je compte pas les heures de jeu que j'ai passé dessus, à faire le Dark Matter, à faire des nucléaires, des trucs comme ça. Ou genre, je kiffais juste le jeu et. Je pense que ça devait être les meilleures années de ma vie parce que vraiment, tu kiffes ton jeu et t'as des cours qui sont pas trop compliqués. C'est seconde, troisième. Donc, c'est-à-dire que t'as une année en seconde où tu fais rien et t'as Black Ops 3 qui est à côté, t'es là, ah, trop bien. Ah bah Et du coup, tu joues et puis t'es tranquille. Et ça, ces années-là, elles sont bien. Hein. Je crois que c'est le dernier Call of où j'ai vraiment aimé. Hein. Après, il y a Infinite Warfare. moi je veux pas te mentir, j'ai jamais touché un Call of donc je Ouais, vais bah, rien c'est dire pas sur grave. ça Il y donc a des gens qui ont des défauts, il y en a des gens qui en ont d'autres. Hein, on savait des gens qui ont des défauts. on choisit pas ses Oulala, défauts, mec. allez, je me fais trage dans ma propre émission, ça va rien de neuf là. Enfin bref, bah écoute, hyper intéressant. Mais moi j'ai une petite question parce que du coup après t'avais rejoint Infinity, t'avais re-rejoint NET Ouais. pour le CGL ou au moment où Infinity ils ont Il n'y a pas disbandé? que la CGL, non. Il n'y a pas que la CGL. La Infinity, elle a 10 bandes. Moi je me souviens qu'on avait joué Infinity avec Odyssey en week 2, on avait gagné 2-1 et que la semaine d'après ils avaient disbandé il me semble. Mais est-ce que toi, genre, t'avais rejoint NET avant que la CGL commence, donc en gros, genre, la saison de WX Infinity elle se termine et après tu rejoins NET, ou J'ai est-ce que aucune t'as idée. commencé la CGL avec Infinity et après t'as rejoint NET, ou tu t'en souviens plus? Non, je m'en rappelle plus. Je sais, bah, la raison de pourquoi je pense qu'il y avait un peu de ma faute si Infinity avec 10 bandes, hein, c'est pas forcément que de ma faute non plus, mais il y avait une partie qui était à moi forcément. Et je saurais pas te dire si j'ai rejoint Infinity Net avant ou après. Je pense que je l'ai rejoint avant la CGL. Je pense que c'est la finale de l'OWX qui a fait que déjà je voulais chercher une autre équipe. Ça a pas fait que. Mais à cette époque-là, je pense que j'y songeais déjà, tu vois. Qu'est-ce qui t'a fait donner envie de partir de l'équipe? Déjà parce que je trouvais que mon ancienne équipe qui recommençait à jouer était plus forte. Forcément, parce que maintenant, ils avaient des visions. Il y avait Vision qui avait rejoint, que je connaissais bien quand même. Ouais, gros joueur. NDB qui était toujours en pot, Turosem aussi. Enfin, je trouvais que l'équipe était déjà plus forte et d'un autre côté, je me sentais plus trop à l'aise dans l'équipe à l'époque parce que Hisoka, maintenant ça va mieux, mais Hisoka et moi, on n'était pas vraiment dans les meilleures positions Meilleurs amis du mentales. monde, quoi. On n'était pas les meilleurs amis du monde, c'est-à-dire qu'il nous coachait, mais moi, j'acceptais pas son coaching parce que je le trouvais pas assez fort pour moi. Donc, du coup, bah, j'ai fait OK, bah,
On va repartir de Infinity. Et il y a peut-être une démo entre nous, je ne sais plus. Ok, bon, Hisoka, c'est un peu un petit... Hisoka, il a une putain de mémoire pour ça, des fois il m'a ressorti un truc, j'ai déjà oublié, mais... Ouais, il y a un bref, petit différent avec Hisoka. Il y a eu des différends avec Hisoka, bref, il y a eu des problèmes dans l'équipe, et moi j'ai fait, bon écoutez les gars, moi je m'en vais, et du coup, je suis parti rejoindre Net. Ok, mais comme tu viens de le dire, du coup, c'est Hisoka qui gérait l'équipe, enfin qui coachait l'équipe ou vous coachez Kem En fait, d'un côté, il était sur le banc et il donnait son point de vue, tu vois. Et ouais. Moi, j'aimais pas que quelqu'un donne son point de vue alors que je pense pouvoir me gérer tout seul, tu vois. Ou alors, si quelqu'un donnait son point de vue, c'est quelqu'un que je le considérais plus fort, et à l'époque, je le considérais pas plus fort que moi, Hisoka. Ok. Moi je vois, ça se tient. Ouais. C'était pas un coach, mais quand il était sur le banc, les réflexions qu'il me faisait après, ça me plaisait pas. Ok. Je vois, non mais ça se tient, c'est vrai que... Je peux comprendre en effet ton point de vue. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps, mais fait du coup, deux ans après, maintenant on se reparle, on joue beaucoup ensemble. C'était juste, moi j'étais jeune, et puis lui aussi d'un côté, il y avait deux... Il y a toujours des moments où il y a toujours des différends avec quelqu'un, on fait des heures. Moi c'était pareil, il y a 2-3 ans, j'étais dans une équipe Ligue 2, où je m'étais fait virer de l'équipe parce que je m'étais pris de chou avec le capitaine, c'est pareil. Au final, je m'étais excusé quelques mois après, parce que c'était ma faute, quoi. J'étais un gros con. Donc, ce qui compte maintenant, c'est au final que maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus de problème, quoi. Ouais, c'est le principal. Allez, j'ai dû forcer quand même parce qu'à chaque fois qu'il était sur un chat Twitch, je lui disais bonjour Hisoka et il me répondait non, ta gueule. Moi j'étais là, c'est pas cool. Aïe. Et bah finalement ça a marché, tu vois. Le timing de bonjour, c'est nickel. Si vous voulez un truc dans la vie, forcez. Forcez, ça dépend pourquoi, Kem. Okay. C'est vrai, mais... ne forcez pas beaucoup. Pas trop, il y a des limites au forçage. Bon, je pense qu'il faut pas écouter Schnitzel sinon, mais. Super. Enfin bref. Bah écoute, c'était pas mal, ouais. Et là, je vais parler de quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on vient d'évoquer, parce qu'on en a évoqué principalement NET Infinity de l'époque d'OWX. Mais là, je vais plutôt parler un tout petit peu de toi avant qu'on passe à ta saison de NET d'Odinet, enfin tes saisons, puisque t'as fait plusieurs championnats beaucoup en l'occurrence. Beaucoup de saisons. Ouais. J'aimerais que tu me parles un peu plus de toi cette fois-ci et que tu me dises en fait comment toi tu te qualifies en tant que joueur en fait. Quel type de joueur es-tu d'après toi? Est-ce que t'es quelqu'un qui est plutôt vocal? Est-ce que t'es un leader, un carry? Enfin que comment tu te décris en tant que joueur en fait? In game et hors game, hein, dans une équipe quoi. Globalement. Bah hors game, c'est sûr que par exemple là, je vais prendre l'exemple de Nexus. Hors game, ils savent que s'il y a des trucs qui vont pas, moi je vais dire, même que ce soit cool à entendre ou pas, je vais les dire, les mauvaises choses. Je vais rarement dire les bonnes choses parce que si t'as fait une bonne chose, c'est que tu devais le faire et que du coup c'est que t'as joué normalement. Pour moi, les bons plays sont normaux parce que c'est ce que tu dois faire à ce moment-là, donc t'as bien joué, donc je vais pas le dire. Et j'essaie de travailler là-dessus, hein. J'essaie de des fois me forcer à dire des bien-jeux, des trucs que je dirais pas. Mais en général, en dehors des games, ou même quand ça va pas, j'aime bien ramener l'ordre. Expliquer, ramener le calme, ça, tout dépend, je suis médiateur. Ouais. Médiateur un peu brut quand même. Le médiateur un peu brut. Et in-game, ça dépend. Tu vois, par exemple, à l'époque de Net, ou même Odinet, Infinity, j'étais pas celui qui allait ultra cool. Moi, j'étais plus focus... Sur Enemy Teammate, j'étais vraiment le good guy avec ma diva, c'est-à-dire que je matrissais un peu ce qu'elle avait besoin. Je vais jamais être le carry d'une game, mais je vais toujours être le mec qui va aider à carry les games. Mais ça, je pense que c'est dû au fait que j'aime flex, et que du coup, j'ai envie que les gens soient mieux, tu vois. C'est-à-dire que si je prends un shield en enquête, je me dis que là, ça pourrait aider mes tanks, etc. C'est ultra basique comme exemple, mais dans la globalité de tout ce que je vais faire, ça va être ça mon mode de pensée. C'est pour ça que la rule queue me casse les couilles, globalement. Ouais. Bah t'es plus finalement, quand on t'écoute, dans une vision vraiment 100% équipe, t'essaies pas forcément de jouer solo et d'essayer de faire les clutches incroyables. Non, c'est plus ça. De jouer pour ton équipe, quoi, de peel, de protect et tout. Là, en main tank, forcément, mon jeu est différent, c'est-à-dire que je vais beaucoup plus lead l'équipe. Là, dans Nexus, vu que j'ai une équipe qui est
en grande majorité assez peu expérimenté, j'essaye vraiment de lead l'équipe et de donner des plans de jeu constamment, tu vois. Je sais pas si ça leur sert, parce que du coup je fais tout à leur place, mais d'un côté, je pense qu'ils apprennent, etc. Si ça leur sert, parce que ils ont un exemple, en fait. Ils ont quelqu'un qui donne l'exemple et ils peuvent s'en inspirer, en fait. Donc ça doit forcément les aider d'avoir quelqu'un. Après, franchement, il y a des bons. On est bon sous la pression, Nexus. Nexus, c'est bon. Il est bon sous la pression. C'est l'inverse de l'ordre. Ouais, mais du coup. Non, je me caractériserais comme un joueur réfléchi. Tout ça. Plus calme aussi. Plutôt calme dans mes réflexions. C'est vrai, ça aussi. C'est vrai qu'on t'a jamais vu très explosif, quoi. Comme des gens comme Logix, par exemple. Ou à Clix même aussi, tu vois. Clix, t'es un peu l'inverse, quoi. Genre t'es plus calme, posé, tu mets l'ordre, comme tu l'as dit, dans l'équipe, tu fais en sorte que ce soit bien structuré et tout. Tout soit clair, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Soit pas la clown fiesta, quoi. Ouais, c'est ça. Tu sais, je joue main tank, donc plan de jeu, shot call, etc. Et beaucoup d'explications de bêtises aussi. Même de temps passé, on a fait une map hier contre Avoided, où du coup je suis parti en partie perso expliquer 2-3 trucs, tu vois. Ça m'arrive de le faire rarement, mais t'es pas mal pédagogue aussi. De quoi? T'es pas mal pédagogue. Ouais, bah tu sais, je suis animateur pour enfants, donc bon, quand t'as une équipe comme Nexus, ça aide pas mal d'avoir un BAFA, quoi. Est-ce que t'es en train d'insinuer que Nexus est des enfants? Rien du tout, pas du tout. Tu interprètes mes paroles, c'est tout. Ouais, de toute façon, Nexus, on en reviendra après. De toute façon, tu pourras dire tout ce que tu veux sur Nexus après. Mais écoute, ouais, de toute façon, je pense que par rapport à ce que tu dis, moi, je me suis toujours dit que tu ferais un bon coach, dans tous les cas. Donc, J'ai coaché énormément d'équipes. J'ai perdu mon temps sur beaucoup d'équipes et beaucoup de gens. Ça. Ouais, bon, bref. Perdu mon temps, c'est-à-dire quoi? Que le coaching, c'est pas quelque chose qui t'intéresse, quoi? Non, c'est pas ça, c'est que. Par exemple, ça m'est arrivé sur des équipes de passer une heure sur une demi-map, tu vois. Mais quand t'as des trucs à dire, tu les dis. Mais après, est-ce que ça a changé quelque chose pour eux? Pas sûr, tu vois. C'est-à-dire que je parle, mais est-ce que ça va changer quelque chose? Moi, je suis quelqu'un qui apprend en regardant. Il y a des gens, peut-être, qu'ils apprennent pas en regardant, tu vois, en écoutant. Ils apprennent en jouant. Ouais. Je me suis jamais dit que c'était une perte de temps, tu vois. La plus grosse perte de temps que j'ai eu, tu vois, dans ma vie, par exemple, ce serait Hugo et Enzo, qui étaient dans la Nexus, du coup, que j'ai formé vraiment entre grosses parenthèses, c'est-à-dire que je leur ai dit un peu des trucs, et après ils sont partis, là, tu vois, j'ai vraiment eu l'impression de perdre mon temps, tu vois. Ouais, t'es senti trahi, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais... Ouais, tu te dis, ouais, je coach des joueurs et tout, puis finalement, Il me devait rien, tu vois, genre, en vrai, je leur ai appris 2-3 trucs, etc., mais j'avais pris du temps, ou même... Enfin, j'avais juste pris du temps, quoi. Donc, ça me ouais, du temps pour des gens qui sont pas restés dans l'équipe, quoi. Mm-hmm. C'est ça qui est dommage. Ouais, ok. D'un côté, c'est ma faute, après. Hein. J'aurais peut-être pas dû faire ça, mais... Bref. C'est fait, je dis. Moi, je fais beaucoup d'erreurs. Oui, de toute façon, ce qui est fait, et puis on peut pas changer le passé, de toute façon. Ok. Sur le coup, j'étais carrément énervé, tu vois. Maintenant, c'est fait, hein, quoi. Ouais, comme avec Hisoka, maintenant, c'est bon, c'est du passé, quoi. Mm. Oh, c'est ça, les gens qui sont rancuniers 2 ans sur les jeux vidéo, mais putain, mais trouvez-vous une vie, bordel. Ouais, c'est ça, faut savoir pardonner, quoi. Surtout sur un jeu vidéo, comme tu l'as dit, c'est vrai que bon. Ah ouais. Les gens ils se prennent trop la tête. Les gens ils se prennent trop la tête. Même si t'as juste à regarder des Twitter, quoi. Je veux dire, des tweets tous les jours de ranked Overwatch, Xbox. Mais voilà, baiser ça va vous détendre. Oh là là. Allez, écoutez les conseils de Schneezel pour se sentir mieux. L'animateur pour enfants. Il est toujours là. Allez au lit, c'est pas l'heure pour vous, ça. Allez au lit. Bah écoute, on va retourner du coup par parler de NET et d'Odinet, un peu les deux. À l'époque, du coup, quand vous avez joué la CGL avec NET, donc c'était l'époque où il y avait Odyssey et NET, ils n'avaient pas encore fusionné. C'est le moment où vous avez joué The Throne EU en finale. Ouais. À l'époque, quand vous vous êtes inscrit, je sais pas si tu t'en souviens, mais je pose quand même la question, si jamais. Quand vous êtes inscrit avec NET, vous êtes dit vraiment vous avez une chance de gagner le championnat ou... Bon, de toute façon, vous êtes des compétiteurs, donc oui, vous êtes forcément inscrit pour gagner, mais est-ce que vous vous êtes dit qu'il y a réellement une chance au vu des noms qu'il y avait quand même dans certaines équipes? Ou est-ce que vous vous êtes dit on va faire de notre mieux? Je crois qu'on s'est jamais. En vrai, je vais pas te dire, je crois qu'on s'est jamais posé la question de si on allait gagner ou pas. Ouais, vous vous êtes juste inscrit, vous avez joué, et puis basta, quoi. Genre...
Ouais, je pense que. En fait, on savait qu'on était fort. De toute manière, bah, on avait des. Moi, j'avais confiance en tous mes teammates. Hein. Pour le coup, c'était vraiment l'équipe où je pouvais faire confiance à tout le monde, où je savais que tout le monde allait faire son travail. Même Logix. Hein. Mais, ah non, Logix, c'était. Non, Logix, c'était après, c'était Odinette. Ma logique, c'était encore chaud d'ici à l'époque. Non, 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 Odinette. Odinette. Ah Non, je non, parle c'est de vrai. noter là, je parle de noter. Pas Ok, Odinette. ok. Et du coup, à l'époque, il y avait déjà. Attends, c'était Odinette? Je vais vérifier ça tout de suite. Noté. T'as noté. NET. Odinette, c'est YouTube. après le CGL, c'est YouTube, après que vous avez pardon. perdu contre The Throne. CGL Net versus The Throne. C'est ça, c'est après. Gros, Odinette, c'était après que vous ayez Bien, perdu t'as contre que The je Throne. tape un truc sur YouTube, mais ça me donne. Alors, carrément pas la solution. Ah, mais c'est parce que j'ai marqué, ouais, ça. Ok, maintenant ça devrait marcher. Ok. Ok, ouais, c'était net, t'as raison. Ok. Attends, du coup, c'était quoi ta question? Au secours. Du coup, c'était quoi votre mentalité quand vous avez fait le Nous, CGL à bah, l'époque? nous, on savait qu'on était bon, on savait qu'on pouvait le faire et on s'est vraiment jamais posé la question. Et en général, quand on voyait des grosses teams, on était en train de rigoler en mode on va se faire péter Luc, on va se faire péter le Luc, et on était là, bon, bah go. Hein. Et bah, avec cette mentalité-là où on s'était un peu insouciant, c'est-à-dire qu'on n'était jamais là Ouais, vous vous à prenez pas trop au sérieux en stresser. fait, quoi. Un peu en De quelque quoi? sorte. De quoi? Vous prenez pas réellement au sérieux, entre guillemets. Genre, y a pas C'est ja de. Vous êtes on pas s'est dit, jamais mis ouais, la les pression mecs, devant un match. on va leur péter le cul ou des trucs On comme ça, genre. s'est jamais mis la pression devant un match. On s'est jamais. On s'est peut-être deux ou trois fois, tu sais, mais. Genre, final CGL, forcément, on s'est mis la pression. Mais en général, dans les matchs où on rentrait, on n'était pas. On était une équipe à peu près de trolls à l'intérieur, tu sais. Oui. Ah, chez Net un peu moins, chez Odinette beaucoup plus, mais. Chez Net, tu sais, on avait ce truc de blame review qui était assez drôle. Ah C'est-à-dire ouais, qu'au Aksham, on lieu avait de faire une parlé de bonne ça, ouais. review, on faisait des blame review à regarder qui faisait des erreurs et à les flame. Donc c'était assez drôle, tu vois. C'est une ambiance qui était différente, mais cette ambiance-là, du coup, bah, ça nous a permis de plus nous focus sur un jeu et moins de penser à ce qui allait arriver, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, ouais. C'était Donc. une bonne mentalité. Ça vous a réussi, de toute façon. Je pense que, tu vois, contre The Throne, bah déjà, bon, moi je vais pas revenir sur les problèmes qu'il y a eu avec monsieur TXL hein, qui a peut-être falsifié 2-3 documents, qui a peut-être un peu allongé la momie parce qu'il n'était pas censé être là Il était et ban. on l'a vu dans ce match alors qu'il était censé être banni. Donc je pense que sans TXL on aurait eu moyen de la gagner parce qu'on s'attendait du coup sans TXL à peut-être à une GOAT ou alors sans TXL on aurait sûrement gagné avec GOAT. Je pense qu'au duel God, vous aurez gagné contre eux. Oui, à l'époque, Net et Goat, je pense que personne pouvait vraiment nous arrêter. En Goat contre Goat, il y avait vraiment un écart de niveau. Après, il faut Clairement, ouais. savoir aussi que personne nous attendait en finale parce que bah, on est déjà en équipe de Français. En Ah, fait, attention. à partir de là, dans un tournoi anglais, les Français sont très mal vus. C'est peut-être une minorité qui dit ça, mais la minorité va plus impacter les majorités, tu vois ce que je veux Ah non, dire? mais je suis d'accord avec toi, hein, même la semaine dernière, quand on a fait la tier 3 avec Overlord, on se faisait trash à longueur de journée par les équipes anglaises, même là cette année c'est pareil, hein. Ah Les bon? Français en général, ouais. Il y a Sur le plein de gens général? qui nous aiment pas. Ouais. Non, pas dans le général, mais genre je veux dire, il y a pas mal d'équipes anglaises qui nous aiment pas, quoi, on va dire, ou qui nous voit comme des nuls, quoi, on va dire. La saison dernière, c'était déjà ça. Enfin, la saison dernière, par exemple, il y avait une équipe qui trichait, qui faisait jouer des 4K en tier 3, donc un tiers de diamant, et on les a battus, et puis ils ont toujours essayé de trouver des excuses pour dire, enfin, pour gagner, quoi, par forfait. Donc, c'est un peu la merde, quoi. Il n'y a pas qu'en tier 6 qui a ce genre de problème, quoi. Ok. Donc, bah, je comprends, ouais. T'inquiète pas, je le comprends. Donc du coup, ouais, nous on était comme ça et on arrivait. La demi-finale, on l'a gagnée contre une bonne équipe en plus. C'était vraiment des bonnes équipes avec C'était qui? Vrezred, Lingxi, je crois aussi. On s'est vraiment une belle équipe en face où j'avais fait un putain de match. Et c'est dommage que j'ai Y plus avait les pas extraits parce Churros que. dedans aussi ou c'était une autre équipe lui? C'est. Chorx, je sais plus. En vrai, on a plus de Vez et puis. Non, c'était Space Lemon. Space Lemon. Qui était vraiment insane à l'époque. Et on avait échangé 2-3 messages à la fin parce que je l'avais bien cassé les couilles apparemment avec Madiva et ça me faisait plaisir. De toute façon, les Mais messages où tu te souviens les combien gens vous se l'avez plaignent de gagné ce moi. match? Parce que De du coup, quoi? tu te souviens combien vous l'avez gagné cette demi-finale? Je Parce crois que c'était que. 3-1. 3-1 ou 3-2. La Ok. dernière map c'était Junkertown où j'ai fait une moins 5 avec ma bombe Diva pour la fin. J'étais assez content, assez heureux. Et je crois que je l'ai pas pris en extrait tellement j'étais Ah, stressé c'est ou triste. content. Peut-être un des deux.
Ok, bah déjà, de toute façon, vous avez fait une putain de saison, hein. Vous êtes arrivé jusqu'en finale, c'est déjà énorme. On aurait aimé la gagner, tu vois, mais ouais, effectivement. Et maintenant, je sais que, voilà, on va pas remuer le couteau dans la plaie, mais on va reparler un tout petit peu de cette finale, quand même. Comment vous l'avez abordé cette finale contre The Throne? Conseiller de base, ok, il y a TXL de base. Je vais regarder les effectifs, tu vois, bah là, je les ai devant mes yeux. Y a, en face, nous, on avait Vision, Blond Bâton, NDB, Schnezel, donc moi, Mercuro et Aklix. On avait une équipe insane, tu vois. Alors je dis ouais. Insane, c'est que vraiment, elle est vraiment forte. Et en face, t'as Mighty, TXL, Harry Pop, Missouri River, Ashkagul, Greedy. On s'est dit plusieurs choses. On s'est dit, bon, est-ce que, si on joue une GOAT, normalement, on est sûr de leur rouler dessus parce qu'il n'y a pas TXL. Bon, malheureusement, les choses ont fait que TXL était là. Moi, je pense toujours que c'est on nous a volé cette finale. Après, bon, les gens pensent ce qu'ils veulent. Mais TXL, s'il n'est pas là, on la perd pas la finale. Ou alors, elle est beaucoup plus serrée. Ouais. Donc, si t'enlèves TXL, il te reste Harry Potter Mini. Mini qui est plus flex que moi, et donc du coup, il m'a toujours énervé. Mini qui avait fait partie de mon équipe aussi, une équipe américaine. Ouais. Une équipe américaine, où je t'en parlerai peut-être un peu plus tard, parce que ce tournoi-là était un peu bizarre aussi. Et du coup, on s'est dit, bah, si on leur roule dessus sur GOAT, c'est sûr qu'ils vont passer GOAT. Donc toute la semaine, on s'est entraîné avec plein d'équipes anglaises qui nous aimaient bien. Les Français nous aimaient pas beaucoup parce qu'on était on était ultra toxiques, avec raison. Hein. Je pense qu'il n'y avait pas un qui n'avait pas sa touche de toxicité dans l'équipe. Mais les Anglais, pour le coup, nous aimaient vraiment bien. Genre, la plupart des équipes après le match sont venues nous voir en nous donnant plein d'indices. Non, c'est pas des indices, mais plutôt des... Je sais pas comment appeler ça, mais en gros, ils nous ont donné des screenshots où on pouvait voir que TXL était censé être ban le jour de la finale et qu'après, ils ont disparu, tu vois. Donc en gros, on était vraiment appréciés des Anglais. Et du coup, toute la semaine, on a fait des scrims avec de la GOAT, etc., où ils nous ont vraiment aidés. Et le jour de la finale, bah, TXL est là et des choses se passent. Bah, du coup, la première, on la gagne pas. On prend une GOAT qui ne marche pas. Du coup, on décide de switcher. C'était Route 66 la première, non? Ouais, Route 66 la première. Et donc, on décide de switcher. On a pris le premier point. Mais sauf que on le défend super bien le premier point, parce qu'on a un blond bâton qui est on fire, blond bâton ouais, qui à l'époque Widow, est pour ouais, moi la meilleure Widow FR, c'est probablement la meilleure Widow FR, qui va juste les détruire, qui va vraiment les détruire. On commence notre première défense en goat contre une bastion phare à son bras, qui jouait à peu près la plupart du temps. Ouais. Et là, blond bâton qui décide de switch, Widow avec moi sur son bras et Vision sur Pharah. Et là, blond bâton, il enchaîne les kills, il enchaîne les têtes. Bref, un vrai plaisir. Un véritable plaisir. Et on arrive à les contenir, mais pas assez longtemps, malheureusement. Mais le ban de TXL, fin, vous l'avez appris quand? Le jour même que finalement. Le jour, après la finale. Après la finale. Ah non, c'est même pas. Alors franchement, je saurais même plus te dire. Je crois qu'on l'a appris peut-être un jour avant que TXL était ban, nous tous. C'est pour ça qu'on est parti sur Mangot. Et après, du coup, je suis en train de revoir les images. En fait, c'était pas ultra one-sided. Hein. C'était Anamura, c'était one-sided, par contre, mais les autres maps, ça a été. Oui, mais en vrai, le match, il était pas, c'était pas sans sonic. Je trouvais en vrai Ilios et Route aux Antilles, c'était serré. Quand même, il y a que Anamura, comme tu l'as dit, où c'était Anamura, vraiment, Anamura, c'était un stomp. Anamura, on s'est fait rouler dessus. Hein. Ouais. Ah bah. Là, c'est vraiment le stomp de trop, tu vois. Ouais. Bon après. Après, de toute façon, on peut pas la refaire la finale, malheureusement. Et c'est comme ça. Genre, on a voulu se lancer dans des trucs parce que du coup, on avait eu les infos comme quoi ils avaient triché. Donc, on s'est dit, bon, on va faire un truc, tu vois, mais c'est soit les mettre sur Twitter, soit leur demander, mais je sais pas pourquoi on l'avait pas fait finalement. À chaque fois qu'on avait des problèmes d'administration, de toute façon. On va pas se mentir, on s'en fichait beaucoup. Hein. Si ça devait pas arriver, ça arrivera pas. Et puis point barre, quoi. Ouais, vous prenez pas la tête avec tout ça, quoi. Ouais, la plupart du temps, on se prenait pas la tête. Et ça nous dessert, hein. Ça nous dessert fortement, mais... Ouais, vous vous contentez juste de jouer et de vous venger en jouant, quoi. En gagnant les matchs, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, on n'est pas allé chercher plus loin. Et on l'a perdu cette finale, malheureusement. C'est dommage, mais c'était déjà un très beau parcours de votre part. Si on avait, ouais, c'est ça. Mais si on avait su avant pour TXL, on aurait tout de suite mis le bon bâton sur Widow et il y aurait beaucoup de choses qui auraient changé. Votre manière d'aborder le match aurait été différent, quoi. Votre strat aurait été différente. Là, je crois, on va se prendre un barrage qui va faire au moins 1000 kills. Non, c'est bon. C'est ce que du coup, j'ai en train de regarder. Ah, l'IMP. Voilà. Ah, non, c'est bon, j'ai tué.
Ok. Ok. Bah malgré ça, quand même, vous avez fait à l'époque une bonne saison, et donc après, donc du coup, la saison CGL s'est terminée. On rappelle à l'époque, vous étiez en tier 5, tier 5 qui était à l'époque le tier le plus haut, il n'y avait pas de tier 6 encore. Il n'y avait que de tier Non, on 5 n'avait pas tout en de haut. 36. Et donc après ça, du coup, vous décidez de fusionner avec Odyssey pour créer Odinette, qui, je pense, encore toujours maintenant, est la meilleure équipe FR qu'il y ait jamais eu sur Xbox. Je pense qu'on est de toute façon d'accord pour dire ça. Et donc, comment ça s'est passé avec Odinette? Comment ça a fonctionné? Parce que je sais que notamment, il y a à l'époque, au tout début, tout début, il y avait YouChops qui est parti aussi très vite de l'équipe, il me semble, parce qu'il jouait, il avait pas assez Avait de pas temps tant de de jeu jeu. et Il avait pas lui, tant il de voulait jeu. jouer, donc il était parti chez Shattern, il me semble. Il avait raison. Mais du coup, comment se gérait l'équipe à peu près avec Odinette? Comment elle se gérait? Ouais, s'il y On avait une avait. réelle gestion, parce que je sais qu'il y avait. C'est un peu la clown, mais. Bon, Faut. moi tu me dis gérer. J'ai là, bon. Comment dire? Déjà, bah du coup, dans la fusion Odyssey Net, on a récupéré qui? On a récupéré Flo Spartan, on t'a récupéré toi, Non, on j'ai a jamais été chez récupéré. Odinette, moi, j'étais parti Sérieux? avant. T'es Ah oui, parti j'ai jamais avant? été chez Ok. Odinette, moi, jamais. Donc on a récupéré Flo Spartan. Le Flo Spartan, Flo c'est lui qui Spartan, ouais. gérait l'escrime, qui gérait un peu le côté administratif que personne chez Odinette voulait le faire. Je m'en doute. Donc du coup, ça, très bien. C'était lui qui gérait ça. Donc bon, forcément, on le trollait un peu parce que c'était marrant de le troller. Mais au moins, il mettait des scrims, il réglait les trucs avec les Anglais, donc c'était cool de l'avoir. On Plus il a parle anglais, récupéré donc. Logix, on a récupéré Aksha. Du coup, Axe Yuge qui est aussi. parti très vite. Axe KLN. qui est parti aussi, qui a disparu. Axe, ouais. KLN. Ah, KLN qui a resté très très longtemps. Et KLN, il KLN reste très longtemps, hein. Ouais. qui moi je le dis à tout le monde, qui maintenant a un mental d'acier parce que tous nos healers dans une unité avaient un mental d'acier parce que ils se faisaient full blame à chaque fois. Donc, tous les Ah Urosem, bah de toute façon KLN, c'est vrai, c'est un Aklix, gros support. Hein. ils avaient, ouais, franchement, ils avaient du mental. Ils avaient Et vraiment du vous aviez mental. récupéré aussi Mamakal, qu'on n'oublie pas. Et on a aussi récupéré Malakal, mais qui a vraiment jamais vraiment joué avec nous. Il a fait quelques scrims, quelques matchs, mais vraiment, il était là très très rarement. Et NDB qui était là tout le temps, du coup, C'est bah, quoi, c'était lui qui jouait pouvait tout le pas temps, quoi. venir ou c'était vous qui avez décidé de faire jouer tout le monde? Non, c'est même pas ça. C'est d'un côté, bah, c'est soit il pouvait pas venir, soit il allait en ranked. En fait, il préférait des fois, il quittait même les scrims pour aller en ranked. Donc, Oh, il était pas nous, sérieux quoi. de quoi? Il Ouais, était c'est pas ça. sérieux. On Ouais. cherchait pas plus loin. Et puis on disait, bah, ok, on va jouer NDB. Et puis point barre. NDB était très bien dans son rôle de main Ok. tank. Hein. Donc, du coup, ouais, il y a Yuge qui quitte juste après. Parce que forcément, quand t'es en compétition avec Avec Vision, Blanc Bâton, Plombaton. Logix, Ah. Ah, c'est compliqué. bah à l'époque, c'est pas possible quoi. À l'époque, c'était pas possible, c'est vrai. À l'époque, Vision, bah, tu l'enlèves pas du DPS. Blanc Bâton et Logix, ils se partagent une place de DPS. Et bah du coup, Yuge, bah, il a eu une bonne idée d'aller chez Shattern. Hein. Donc je pourrais jamais dire qu'il a fait une mauvaise. Il a fait un mauvais choix, hein, c'était le meilleur choix pour lui. Ok. On avait Aksha qui est resté longtemps avec nous pour le coup. Il est Aksha qui est resté vraiment longtemps, resté. oui. Aksha qui Bah, est il a fait vraiment les resté tournois longtemps. avec vous, de toute façon. Ouais, moi j'étais content de l'avoir parce que je le trouvais pas mauvais pour le coup. Moi j'étais là, bon, bah, tranquille, on a toujours eu Arma. Arma qui était toujours un joueur bah, trop trop fort en fait. Ah, il était chaud dîner, Tarma? Il était chez Odinette, Arma. Il était chez Odinette, hein, si je me souviens bien. Oula, je savais même pas, tu vois. En fait, je crois qu'il était chez Odinette, mais c'était un peu comme un mec à lui, il s'en fichait. Il a des périodes, Arma. Ouais, il venait une fois de temps en Arma, il a temps, des quoi. périodes où des fois on avait un match et on lui envoie un message, il fait désolé les gars, je pêche, et il nous envoie une photo de lui dans une mare avec ses bottes et sa canne à pêche. Ouais, j'avais entendu cette anecdote. Ouais. Ouais. Et enfin, c'était un mec qui est vraiment trop fort au jeu, mais qui s'en fout complètement de tout. Dire que. Bah, si juste il est trop fort quoi. Enfin, mais. Moi, il m'énerve, clairement, il m'énerve. Je vois, je Et vois. du coup, ouais, les DPS, et puis le temps qu'on avait NDB, NDB, moi, Arma, Mamakal, bon, on avait des tanks qui étaient incroyables pour le coup. On avait Bah, tout le vraiment pot des c'est incroyable, donc vous avez les meilleurs français sur tous les rôles, hein, genre. On avait les meilleurs Français sur tous les rôles Parce que à c'était cette pas époque-là. négociable, ça. Et du coup, on a gagné beaucoup de tournois, Keybase, 2-0-X. On va en revenir, ça, de toute façon, Ah, les justement. yeux, ouais. On Et va en revenir tout de suite. ouais, c'était une bonne époque. Tu m'étonnes. Ah, tu me parlais de l'OX et de Kaibet, voilà. Bah, je te demande justement de nous parler de ces tournois parce que moi, pour le coup, c'est des tournois que je ne connais absolument pas. Je ne savais même pas que vous les aviez fait. Tu vois, je l'ai appris quand j'ai regardé ta description sur Twitter.
Et genre, je savais même pas que vous avez fait ces tournois, que vous les avez gagnés, tu vois. Donc j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ces tournois, que tu nous présentes bah, comment ils fonctionnaient. Je suppose c'était des tournois européens. Ouais. S'il y avait du gros niveau quand même, est-ce qu'il y avait des grosses équipes avec des gros noms, comment ça s'est tourné? C'est la même chose que la CGL sans The Throne en fait. Ok, il n'y avait pas les... The Throne, on les a affrontés. Une fois, on les a plus jamais affrontés. Ok. Il s'est passé tournoi quoi, en fait, ça les intéressait pas. Non, mais nous, on avait bon. Pour... En fait, dans notre tête, ils ont triché en mettant TXL, donc on n'a jamais vraiment considéré ça comme une défaite. Ça nous fait chier quand on regarde les matchs, mais moi, j'ai jamais considéré ça comme une défaite. Je me dis, putain, ça... on aurait pu mieux jouer sur le coup, tu vois. Ouais. Mais si on avait eu les infos au début, on aurait certainement fait quelque chose de terriblement meilleur, tu vois. Oui. Donc, bah, ça nous fait chier, mais voilà. Bah, Keybay, du coup, c'est la même chose. Moi, j'ai pas joué les deux finales de Keybay DOX parce que ça se jouait dans le même week-end. Et dans ce même week-end-là, j'étais en vacances. Du coup, j'ai pas fait ces deux finales-là. Vous avez fait les deux championnats en même temps? Ouais, les deux championnats en même temps et les deux finales sur un jour d'intervalle. Ah oui. Parce que je me rappelle, j'étais en vacances. C'était il y a un an et demi, du coup, pendant les grandes vacances d'été. J'étais en vacances avec mon petit cousin, enfin bref, la famille. Et à table, bah, je regardais leur match. T'es là, bon, bah, let's go, les gars. J'ai fait tous les matchs avec vous et je ferai pas la finale. Ouais. Ils les gagnent, donc je suis très content. Vous avez gagné facilement ces finales ou... Je crois, je me rappelle que d'une vue d'extérieur, c'était quand même assez simple. Okay. C'était l'époque où la GOAT c'était trop fort et nous on avait la meilleure équipe GOAT européenne. Peut-être en rajoutant NA aussi, on était pas. Bah, vous étiez hyper fort, vous avez des gros joueurs en GOAT et puis vous avez aussi des joueurs qui étaient très smart, quoi. Je pense même surtout à Axeux qui, je pense, devait sûrement apporter aussi, sûrement dans. Axeux, je crois qu'il est parti, il était déjà parti à cette époque-là. Ok. Axel était déjà parti à cette époque-là, mais on avait Aclix qui gérait ça. Logix, quoi qu'on en dise, sur sa Brigitte, il était grave OP. Voilà. Sur sa Brigitte, il avait beau pleurer parce qu'il jouait Brigitte, il la jouait bien. Bah, de toute façon, il pleure tout le temps, Logix. C'est vrai que bébé Jix. Hein. Et du coup, c'est Vision qui s'occupait de jouer Zarya dans la GOAT. Ouais, Vision GOAT. Hein. La line-up de base, c'était quoi? C'était NDB en main tank. Donc Reinhardt. Vision sur la Zarya. Moi sur Diva. Après ça dépend de ce qu'on jouait à clic sur soit la Moira, soit le Zen. Donc en général c'était plus Zen que Moira, hein, à part si. Ouais. En face il y avait une compo différente qui faisait du spam. Ouais. Urosem sur Lucio. Et du coup bah Brigitte avec Logix. Ou Blond Bâton. Ok. Et ceux qui pouvaient remplacer bah, Mamakal qui remplaçait NDB. Aksha qui me remplaçait, Vision qui pouvait se faire remplacer par Arma. Puis les deux healers, ils étaient constants. KLN il jouait un peu moins à cette époque-là, mais s'il devait jouer. Il jouait moins parce qu'il jouait. C'était Lucio quoi, donc c'est vrai que sur Lucio c'était pas le meilleur choix à l'époque. Encore. Ouais, c'est ça, bah, si on pouvait, on mettait Aklix et Rosen parce que bah, forcément les meilleurs choix. Et il y a des maps où on ne jouait pas la GOAT, et du coup on le faisait rentrer parce qu'on avait les compos triple DPS où là on a DPS, plus besoin de KLN. KLN était trop fort. C'est ça, Merci, quoi. C'est ça. Bah là KLN est toujours trop fort à Merci. Là, je trouve qu'il a perdu un peu de niveau honnêtement, mais ça c'est forcément. Bah, c'est peut-être lié aussi au fait qu'il s'est diversifié, qu'il joue plus de choses aussi, donc forcément. C'est sûrement ça. Que Merci. Ah non, on le voit notamment chez Shattern, il joue du Lucio, je trouve qu'il a bien step up sur Lucio, même de la Brigitte, un petit peu de Baptiste. C'est vrai qu'à l'époque, c'est vrai qu'on le voyait jouer que Merci, quoi. Ouais, c'est ça. Donc forcément. Et à nous, ça ne nous dérangeait pas. Hein. Il y a cette grande phrase qui dit « Ilmo au lieu de DPS, fils de pute hein. ». Ça, c'était dans un scrim contre une équipe random. Première map, premier fight, c'est-à-dire qu'on fait une moins 5 en genre 5 secondes. Tout va bien, t'as KLN qui sort son piou-piou. Ta Vision qui fait « Oh, il-moi, fils de pute !» au lieu de DPS. Alors qu'il y a moins 5 et le mec s'en va, tu vois. Ouais. Ça te donne un peu une idée. Et ça, c'était comme ça tout le temps avec nos healers. C'est vrai que maintenant que tu me dis « Ouais, c'est vrai qu'il a un mental d'acier. Hein, » Ah, mais KLN... Ça l'a forgé, au dit d'être. KLN, t'as bien, KLN ça très fort mentalement. KLN très très fort mentalement. Okay. En plus, il est jeune, donc. C'est vrai. Et du coup, vous avez remporté du coup ces deux tournois. Est-ce que après ça, vous avez continué à faire d'autres tournois ou vous en avez gagné d'autres ou vous avez joué autre chose ou... Je crois qu'on s'était du coup on avait gagné cela. On s'était réinscrit pour la CGL. Moi, du coup, je suis parti au Canada, donc j'ai pas pu continuer l'escrime avec Odinette. Ouais. De toute manière, même si je sais pas trop ce qu'ils ont fait pendant cette période, ils ont pris Ziref à ma place. Ziref, qui n'avait pas joué Diva à l'époque, du coup, qui m'avait envoyé des MP Twitter. Ouais, tu peux m'apprendre à jouer Diva. Moi, un jour des départs, je fais ouais, moyen.
Tu m'étonnes. Ouais, peut-être pas non plus, quoi. Enfin, je pars demain, quoi. Donc du coup, on n'a pas fait plus de tournois que ça. Moi, j'avais fait un tournoi avec Mini Soul River à l'époque, avant même Net. Peut-être en même temps que Net, je crois. En NA. Donc avec le ping du NA, hein, qu'on connaît. Ouais. On avait terminé 5e, je me rappelle plus c'était quoi, je crois que c'était peut-être CGL aussi, CGL NA. Et je jouais que Moira. Ah ouais, tu voulais faire ton petit kiff quoi. Moi je jouais que Moira. Non, c'est même pas ça, c'est juste qu'on me demandait de jouer Moira, et puis moi je jouais Moira, je dis flex, hein, donc. Oui. Des fois on me demandait de jouer D.Va, des fois on me demandait de jouer Moira. Ouais, tu jouais tout de toute façon quoi. Donc... J'étais là, on me demandait d'être, et puis je jouais, et puis ça se passait des fois bien, des fois mal. Pour du NA, on s'est bien débrouillé, je suis toujours trouvé ça. Voilà. Ok. Bah maintenant j'aimerais bien que tu... On va pas parler de tous les joueurs, j'aimerais que tu m'en cites un. S'il y avait vraiment un joueur que tu voudrais mettre en avant pendant ta période de dinette, qui t'a, je sais pas, qui t'a bluffé ou que t'as trouvé vraiment, c'était un joueur incroyable dans l'équipe ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a vraiment un joueur qui t'a marqué chez Odinette? Tu m'as marqué chez Odinette? Ouais. Ne te cite pas hein. Non mais, mec, j'y ai jamais pensé à me citer surtout. Il y a un joueur, il y a forcément des joueurs qui s'est marqué. Vision par exemple, Vision c'était le carry de l'équipe, hein. C'était le DPS qui pouvait carry l'équipe, tu vois. Donc forcément lui il jouait DPS, il jouait heal, on le mettait un peu partout aussi, ça fonctionnait bien. Et c'était le mec sur qui on pouvait compter parce que bah il était trop fort en fait. Il était vraiment trop fort. Et d'un autre côté, moi j'aimais beaucoup MDB parce que quand il n'y avait plus Fredo, Flo Spartan. Parce qu'après la fusion Odyssey Net, on a récupéré que Logix, tous les autres sont partis. Et à un moment donné, tellement il n'y avait personne de Odyssey, on dit oh, on va se renommer Loginette. Hein. Ah, il y avait toujours Aksha, le pauvre. Oh, on l'oublie. Quoi, il est toujours Aksha. Il n'était pas trop présent à l'époque. Ah, ouais. Il n'était pas trop présent. Ah, c'est ça qui est toujours bizarre. Ouais. Et. Ouais, du coup, Vision ou NDB, juste parce qu'après, il a repris le truc de Flo Spartan. Et j'ai toujours dit que sans NDB, il n'y aurait pas eu d'Odinet. Sans NDB, je pense que personne ne roule Odinet parce que c'était le seul mec qui arrivait à se faire écouter dans avec ces sauvages-là. Ouais. Sinon, les healers, on les prenait pas au sérieux. Moi, je m'en fichais. Les DPS, personne n'allait les écouter. C'était Logix et Vision. Et Blond Bâton. C'était le seul mec sur qui on pouvait compter, donc si c'est je devais le redire deux noms... Ouais, c'est le leader, c'est... Ouais. T'avais NDB qui était le leader global de la team, et t'avais Vision qui était en train de carry tout simplement. Hein. Et Logix aussi, Logix, c'est-à-dire que... Il troll tout le temps, mais quand il joue contre des gens forts, Logix il devient beaucoup, beaucoup trop fort en fait. Ouais. C'est bizarre à expliquer. Moi je comprends. Genre en ranked je comprends que c'est un gros thrower. Parce que vraiment j'étais deux trois fois en ranked avec lui, c'est vrai que c'est un gros thrower. Mais quand il est en équipe, trop fort. C'est comme un mec qui est oublié maintenant, qui s'appelait Ilulu à l'époque. Sur les vieux, ils s'en souviendront. Il s'appelle Ilulu, il était diamant dans Net, une équipe qui était 4k4. Peut-être pas 4k4, 4k3 plutôt. Il était diamant. Et les gens se demandaient ce qu'il faisait là. Et. C'est juste que ce mec-là, en ranked, il est nul à chier. Vraiment, moi, je l'avoue sans problème. Mais en équipe, juste trop fort. Ouais. Juste trop fort. C'est-à-dire qu'il écoute ce que tu dis, et il fait. De toute façon, le plus important pour un joueur, moi, je toujours dis, c'est qu'il soit bon dans une équipe, quoi. Wow. Ouais, mais... Les gens ont trop tendance à accorder de l'importance à la côte, tu vois. Bah, c'est ça. Genre là, moi, actuellement, j'ai une côte de 3k9. Donc, tu peux... C'est ça, la cote, ça fait pas tout. C'est un indicateur, mais ça veut pas tout dire, quoi. Puis surtout, les performances en ranked, j'ai envie de dire, on s'en fiche. Arma est très fort en ranked, mais il est moins fort en équipe. Oui, parce que c'est surtout un joueur, comme tu l'as dit tout à l'heure, un peu solo carry, il veut tuer tout le monde un peu. Puis ouais, c'est vrai qu'en équipe, ben, l'équipe, c'est beaucoup plus, beaucoup de teamplay, quoi. Donc c'est sûr que ben, forcément, en équipe, il aura un peu moins d'impact, même s'il est toujours très fort mais dans une équipe. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que ouais, moi je vois beaucoup trop de gens qui jugent des joueurs, même des joueurs à moi, hein, bah, c'est facile par rapport de juger, à de la ranquette, quoi. Alors que dans mon équipe, il y a des joueurs, bah, c'est vrai qu'en ranquette, c'est peut-être pas les meilleurs joueurs de la planète, hein, mais dans mon équipe, en scrim, en match, ils ont toujours fait le taf, et puis voilà, quoi. Genre... Après, c'est un peu hypocrite, moi, ce que je dis, parce que même moi, je le fais, mais bon.
Oui. C'est la ranked, des trucs comme ça, tu vois, mais... C'est sûr. Après, c'est moi, je le fais après avoir vu mon équipe. Moi, j'ai droit. Tu as le droit. Et enfin, pour finir le chapitre sur Odinette et après qu'on puisse transitionner rapidement sur Nexus, bah comment justement ouais, c'est terminé Odinette justement? Qu'est-ce qui a fait que vous avez disband? Je suis revenu du Canada parce que bah, le Covid oblige, j'étais obligé de revenir du Canada. Ouais. J'ai repris avec Odinette, même ambiance, tout ça. Oui, Miss God, non, c'est pas cette équipe. Si, on s'est, ils étaient, au début, on voulait... il y a eu une propa dans le Discord d'Odinette. Où il y avait un plaidoyer pour qu'on se rename Force de Daron. D'accord. Moi j'ai fait ouais. Mais appelez-vous Force de Daron, c'est parfait. Et bah, du coup on s'est rename We Miss Goat. Je suis arrivé à ce moment-là. Et c'est juste que les gens, bah, on avait marre de jouer Overwatch. Genre. Ouais, on avait marre du jeu. Bah tu sais, on arrivait en scrim ou en match. On savait que les mecs en face trichaient. Mais. Enfin, genre, on s'est fait un jour, ils ont fait, bah, ils ont pas le droit de le faire jouer. On peut report la map. Et personne ne parle. Je fais, les gars, bah, du coup. Si personne n'a envie de faire ça, c'est qu'on n'a pas envie de gagner, en fait. Ouais. Et là, t'as les gens qui. Enfin, là, on s'est posé plein de questions, forcément. On s'est dit, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de gagner. C'est plutôt à RSM que là, je parlais à ce moment-là, parce que c'était lui qui reportait les scores au MNMDB, tu vois. Et après ce match-là qu'on perd, je crois, parce que bah, on en a plus marre. On a même perdu, dis-toi que, on a même perdu contre Shattern. Oui, il me l'a dit sur, la dernière fois, je sais plus. Sur deux ans de match contre Shattern où ils en gagnent pas une, là c'est le moment où ils gagnent. Et. Ouais, mais je crois que c'est le match où tu vous dis, voilà, ouais, là il y a un truc. Là. Ouais, bah c'était avant même, hein, c'était même avant ouais. Ça. Et un jour, pendant au début d'un scrim, là c'est moi qui prends la parole, je fais les gars, bon, il doit y avoir une discussion là maintenant. Là, pendant les derniers matchs, on savait qu'ils trichaient, on n'a rien fait. Là, pendant qu'on est en game, il n'y a rien. Est-ce que... Dites-moi les personnes qui ont envie d'arrêter de jouer. Et soit on arrête ça maintenant, soit on essaie de continuer. Et la plupart des gens ont dit qu'ils avaient envie d'arrêter de jouer. Et du coup, on a fait, bon, ok, bah, c'est la fin. Et on s'est scindé. Est-ce qu'il y avait des joueurs quand même qui avaient toujours envie de continuer à faire de la compétition? Oui, sûr. Je me rappelle plus qui c'est. Je me rappelle plus qui avait envie, mais je crois qu'il y avait deux personnes qui avaient envie. Je crois qu'il y avait notamment Aclix, peut-être. Aclix qui avait envie de continuer. Bah, qui est toujours. NDB aussi avait envie de continuer, même si on tryhardait pas, il avait juste envie de jouer pour jouer. Parce qu'il aimait bien l'équipe, il aimait bien l'ambiance, et puis je le comprends. Ouais. Et non, on s'est arrêté là. On s'est arrêté là-dessus. On n'a même pas joué le scrim. On a fait OK. Bah, si tout le monde est d'accord, on arrête là. Et on s'est arrêté là. OK. Bah, une fin un peu triste quand même pour Odinette, mais. Bah, j'ai pas appelé ça. Moi, je trouve pas ça triste. Je trouve que c'est bien de se dire, bah OK. J'ai l'impression qu'on n'a plus rien à faire là-dessus. On n'a plus rien à prouver. On n'a plus le même envie parce que bah, là, il y avait la role queue qui nous limitait à 2-2, qui nous convenait pas, forcément. Ouais. On était des joueurs de go, de triple DPS, des trucs un peu... Bah, go, c'était méta, donc... Go, je peux pas dire atypique, mais la triple ouais, DPS, des quoi. Trucs comme ça... C'est vrai que c'était... Moi ce patch role queue, ça... C'était des joueurs très flexibles pour la plupart ouais, c'est ça, c'est ça. On était donc pas, là, vous étiez vraiment des... cantonné à un seul rôle. Par exemple, toi, bah, maintenant, tu dois jouer que off tank. Tu pouvais pas switch sur, par exemple, Sombra, comme quand t'avais juste Sombra en finale avec Anoté contre The Throne. Mais, oh putain, t'as vu ça, toi? Ah oui, bien sûr, ouais. je l'ai déjà vu plein de fois, votre match. Ah ouais, sérieux? Ah vrai. Oui, bien sûr. Ah. Attends, quand même. Sombra, ouais. Sombra, j'aimais bien la jouer dans triple DPS. C'était vraiment... Mon petit personnage cool que j'aimais jouer. J'aimais pas jouer de D.Va, hein. Je la jouais juste pour l'équipe, hein, si je peux le rappeler aussi. Ça m'arrivait de bien jouer D.Va, d'ailleurs, on avait une petite section dans Discord. C'était les saintes paroles, où on a mis une de mes phrases. J'ai bien aimé jouer D.Va. Et ça arrivait très rarement. C'est quand même dommage. Sachant que c'était... Voilà, j'ai aimé jouer D.Va, Schnitzel 2019. À un moment donné, ouais. 2019, hein. Ça remonte maintenant, ouais, c'était pas hier, quoi. Ok, voilà. Ok. Bah écoute, avec cette fin d'Odinette, on va fermer du coup ce petit chapitre sur
sur tes équipes, et maintenant on va s'attaquer à Nexus, donc ton équipe actuelle bien évidemment, qu'on connaît bien. Et déjà, bah, forcément, la première question qui me vient en tête, c'est comment tu t'es retrouvé chez Nexus? Et d'où vient ce projet? Genre, comment... Alors, je suppose que c'est pas toi qui as créé Nexus, mais qui l'a créé? Il n'y avait pas de projet. Franchement, je vais pas te mentir. J'étais dans une période de Overwatch où j'étais sûrement à genre quelques heures, même quelques minutes de désinstaller le jeu. Ouais. C'était comme la première fois où j'avais désinstallé, où on m'avait rappelé. Là, c'était le même mode de pensée. J'étais en train de me questionner devant ma télé. Je fais bon, est-ce que c'est le moment de passer à autre chose, d'aller sur d'autres jeux? Là, j'ai plus d'équipe, je joue pas en enquête, donc je me posais plein de questions et je sais pas pourquoi. Je vais rentrer un peu dans les groupes des gens qui jouent à Overwatch, sûrement pour me raccrocher à quelque chose. Ça, une envie de jouer, faire quelque chose. J'avais pas joué en Overwatch, j'ai enquête depuis tellement longtemps. Et je vais rentrer dans le groupe de la Berserk de l'époque, Berserk Gazan, Arkham, etc. Bah, bref, le groupe de la Berserk. Où là, je discute avec eux parce qu'on s'entendait bien. On s'entendait bien à l'époque. Hein. Berserk avait joué des scrims contre Odinette pour le fun. C'était assez marrant. Ou même qui venait des fois dans notre groupe pour juste jouer. Donc moi, je leur avais pas parlé depuis une éternité. Du coup, je vais dans leur groupe, je discute. Ils me disent, ouais, tu veux pas venir faire de la ranked? Moi, je dis, ah, vas-y. Puis du coup, dans ce groupe-là, il y a Kalinat. Kalinat et Nexus Venom. Qui Nexus Venom était à l'époque le capitaine de la Nexus. Et ouais. Du coup, ils apprennent que j'ai fait partie d'Odinette. Et ils me demandent, ok, ce soir on a un scrim, est-ce que tu pourrais venir jouer ou même regarder? Moi, je fais, ouais, vas-y si tu veux. Et du coup, à la base, j'étais juste un joueur. Vraiment, j'étais juste un joueur. Et je fais, bah ok, je vais venir, etc. Et au moment où ça se produit, c'était avant que Odinette disbande. C'était avant qu'Odinette disbande où j'ai rencontré Nexus. Du coup, je vais voir leur scrim. Et moi, je dis, les gars, si je vais jouer avec vous, je vais pas être gentil. C'est-à-dire que je vais vous dire ce qu'il va falloir faire, je vais vous dire vos conneries. Et va pas falloir. Pas falloir. va pas falloir ramener. Vous avez tort, vous avez tort. Donc, et là, le scrim que je fais avec eux, c'est un scrim que j'ai tellement aimé parce que tout le monde m'écoutait et faisait juste ce que je disais. Et ils étaient bons dans ce qu'ils faisaient. Donc je fais putain, c'est cool, j'ai bien aimé jouer. Et je crois que c'est Kalinat qui me propose. Kalinat Aurore, du coup, qui me propose de rejoindre la Nexus en tant que joueur. Je fais ok, mais là, tu vois, je suis toujours avec Odinette. Donc, quoi qu'il arrive, s'il y a un truc à privilégier, ça privilégiera Odinette, quoi. Dans les scrims, etc. Ouais. Bon, le fait est qu'une semaine ou deux semaines après, bah, on disbande, du coup. Donc, du coup, je vais chez Nexus. Je suis toujours en tant que joueur. Je voulais pas être plus que joueur, même plus que coach. De base, je voulais juste pas jouer, juste regarder ce qu'ils font. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à jouer avec eux. Donc de base, DPS, ensuite ça a été tank, et ensuite ça a été co-capitaine plus coach. Et en gros, je me suis juste fait entraîner par Kalinat. elle m'a alpagué dans son équipe. Elle m'a alpagué dans son équipe comme dans la vie. Et du coup, bah... Je me suis retrouvé à jouer jouer avec Nexus. Et à la base de base, tu sais que dans le premier roster de la Nexus, il n'y a pratiquement plus personne de l'équipe que tu connais maintenant. Ouais, oui, ça je le sais, ça. Dans la première équipe de Nexus, t'avais plein de gens. Là, il reste qui de la première équipe de Nexus? Il reste Fabien Warrior, qui est un de mes très très bons potes que je connais depuis pratiquement les débuts d'Overwatch. Et Kalinat, du coup, que je connais depuis bientôt un an, et voilà, quoi. Vous avez bien évolué, hein. C'est vrai que comme tu le dis, ouais, l'équipe ne ressemble plus du tout. C'était marrant parce qu'au début, quand je suis arrivé chez Nexus, les gens, la bot, tu vois, la bot family, qui prenaient un peu Nexus pour leur équipe, pour leur seconde équipe, en mode, tu sais, faut les protéger, faut leur apprendre, etc. Et quand je suis arrivé, tu sais, t'as des gros noms qui ont débarqué, en mode Neliox, Judas, etc. Enfin, genre, le fait que je sois dans l'équipe a attiré du monde. Enfin, ouais. C'est pas être... C'est pas être
Oui, être arrogant, mais c'est juste normal quand on est un joueur. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas être arrogant, c'était plus, bah, ils me connaissent, ils savent que je sais jouer, donc du coup, ils ont envie de jouer, tu vois. Et. Du coup, ça leur plaisait pas du tout parce qu'ils pensaient que du coup, on allait recruter une équipe de GM, qui était pas du tout le cas. Ils avaient peur que vous ayez un niveau plus haut qu'eux, en fait. en fait, le premier stream que je fais contre eux, bah, du coup, on le gagne avec la Nexus. Et en fait, même si d'un autre côté, je crois qu'ils voulaient faire train quelque chose au main tank, bah, je crois que même en faisant ça, ça les a un peu piqué dans leur ego. Et du coup, on s'est retrouvé en froid alors que moi, j'avais été vraiment pas rien fait, tu vois. Ouais, tu t'en foutais, t'as juste fait un stream contre eux. Puis ouais, c'était ça, en fait, c'était ça. Mais du coup, ouais, je l'ai un peu pris pour moi. Puis après, ça s'est arrangé tranquillement. Il y avait une petite guerre interne, entre parenthèses. Et voilà, quoi. Bah, tant mieux. Ouais, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bah, de toute façon, on l'a vu, vous avez recruté un de leurs anciens joueurs, là. Je sais plus comment il s'appelle. D'accord. Alors oui, vous avez recruté lui, mais un des joueurs qui, lui, joue au CGL, parce qu'au début, vous étiez en tier 5, mais vous avez dû en enlever deux pour avoir les codes de tier 4. Ouais, c'est le problème. Je me souviens plus de son nom. Il joue support, notamment. DPS, tranquille. Il joue support. Il joue Zen, notamment, au début du CGL avec vous. Pour. Ah, Big Papa. Non. Oh là là, je suis... Iron HX, voilà. Putain, du... C'était compliqué dans ma tête là. Oh, mais moi aussi. Je comprenais pas ce que tu voulais me dire. Comment ouais. Ça début de la C. Ah oui, c'est vrai. Donc, parce que moi je l'ai vu jouer Zen notamment sur des matchs à vous. Ouais. Donc, ouais, voilà. Il joue Zen, il joue un très bon Zen en vrai. Il joue un très bon Zen, c'est bien d'avoir dans l'équipe. Et bien c'est parfait alors. Bah de toute façon, voilà, comme on le voit, vos problèmes sont réglés. Tandis que de toute façon, bah, vous avez recruté Iron HX qui est un ancien de Bot Family justement. Donc, là pour la CGL, on a aussi recruté Batan et Hugo Jupix. On va justement revenir, ça c'est un sujet que j'avais préparé aussi un tout petit peu après, donc t'inquiète pas, on aura justement l'occasion de parler de ces deux joueurs. Mais du coup, pour en venir à Nexus, comment se gère l'équipe et c'est quoi ton rôle? Parce que toi, c'est vrai qu'au final, comme tu l'as dit, on t'avait joué tank, on t'avait joué off tank, après tu dis que t'as passé co-capitaine, coach, du coup on est un peu perdu. C'est quoi ton rôle actuellement dans l'équipe? Qu'est-ce que tu fais, quoi? Je suis coach, joueur, co-capitaine, mec flex, mais jusque dans la vie. Hein. Bah, tu fais tout, quoi. Je suis streamer pour les tournois, je suis caster, enfin bref. Ah, il est archi flex le jeu. J'ai la casquette du mec qui fait tout. Non mais bah coach joueur et puis co-capitaine. Okay. Je fais les trois. C'est-à-dire que là au début bah du coup vu qu'il y avait que moi en main tank, bah je jouais main tank tout le temps. Ouais. Donc moi c'est pas un truc que j'aime spécialement faire, juste jouer Overwatch. Bah quand t'es pas hype, moi ça me hype pas de dire viens on va jouer Overwatch, je suis pas là, oh trop bien. Et après si les parties se passent bien, si je vois que les gens s'amusent, là ça me donne envie de jouer. Mais là en ce moment je fais la première map, je suis toujours la première map pour mettre les gens un peu focus dedans. C'est-à-dire que je fais les calls, je fais les calls de compo, je dis ce qui va pas, j'organise, je fais de l'organisation. Ouais. Tu les mets bien, puis après c'est bon, après ils sont lancés, quoi. Puis après je les mets bien, maintenant qu'ils sont chauds mentalement. Je laisse rentrer mon deuxième tank et puis je passe plus dans du coaching à l'après. Mm. Donc ça c'est... Que ce soit en match ou, que ce soit en, match ou en scrim. Après il y a des matchs, il y a des maps forcément où je vais jouer à la place de quelqu'un parce que je suis juste... Mes picks que je joue sont meilleurs ou juste ils aiment pas la map quoi. Moi mon mot d'ordre c'est que les gens se sentent bien. Que les gens se sentent bien dans mon équipe et qu'ils ont envie de jouer, tu vois. Ouais. Ça c'est... Après bon, tu fais des erreurs, je vais être moins gentil quoi. C'est normal. Si on veut progresser en même temps, y a besoin de ça quoi. Ouais. Bah ça m'arrive de mal parler aux joueurs de mon équipe parce qu'ils font une erreur qu'ils doivent pas faire. Ça m'arrive souvent. Mais ils sont prévenus que je suis comme ça. Oui. Ils sont pas choqués que je leur parle comme ça. De toute façon, il y a besoin de gueuler pour comprendre. Hein. Enfin, moi après c'est comme ça que je le vois. Pas tout le temps, en ce moment je le fais moins parce que forcément il s'améliore. Oui. Mais il y a toujours des moments où. Il y a toujours des moments où de toute façon il faut gueuler pour que ça comprenne et pour recadrer. Ça c'est quelque chose qu'on m'avait reproché moi d'ailleurs personnellement la semaine dernière avec Overlord, on disait que je gueulais trop. Mm-hmm. Donc ouais, je te comprends, c'est vrai que je suis un peu pareil au final. Donc je comprends exactement ce que tu veux dire, Chenel. Et puis même en game ou quand il y a des moments où juste ça s'échauffe.
Moi, j'ai tout. tous les gens qui sont venus me faire coacher, qui sont fait coacher par moi, je leur ai toujours dit, ne vous prenez pas pour des pros, vous êtes tous nuls à chier. Et ça, c'est que ce que tout le monde doit intégrer dans cette putain de communauté, c'est que vous êtes tous nuls à chier, et que les mecs dans vos équipes sont nuls à chier, mais que vous allez devoir être meilleur que les mecs en face qui sont nuls à chier. Ouais, au final, celui qui va gagner, c'est celui qui sera le moins nul, quoi. Le mec qui va gagner, c'est d'être le moins nul, vraiment. Et tout le monde fait des erreurs, vous êtes pas des pros, vous êtes nuls. Oui, et encore, même les pros font des erreurs, donc... Et même les pros font des erreurs, exactement, même les pros font des erreurs. Juste, accepter l'erreur, et arrêter d'être en mode, ah, il a fait de la merde. Eh, faites de la merde aussi, en fait. Faites plein de merde. Genre, vraiment, si on doit calculer les pourcentages du jeu, genre, à combien de pourcents vous avez compris Overwatch, la plupart des gens ont compris Overwatch à, genre, 30-35%, quoi. Vous connaissez le perso, vous connaissez 2-3 combos, et ça s'arrête là. J'estime avoir compris le jeu à 60%, peut-être 55%, même pas. Parce que le jeu est trop compliqué, en fait. C'est ça. Le jeu est compliqué, donc arrêtez de vous prendre la tête sur de la merde. Vous êtes nul. Acceptez d'être nul et que les gens avec qui vous jouez soient nuls des fois. Vous faites des bons trucs, mais la plupart du temps, vous faites des conneries. Ok, ok. Et autre chose, du coup, donc là, ça, c'est différent, mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire au CGL? Bah, du coup, avec la victoire qu'on a eue contre Arcane. Dans le Magic Tournoi, bah, du coup, on s'est dit, bah, on va faire la CGL. Moi, je connaissais déjà la CGL de base parce que forcément, j'étais inscrit avec Odinet, Net, etc. Enfin, bref, oui. Bah, l'histoire que j'ai eue, quoi. Donc, je connaissais vraiment bien le truc. J'ai dit, c'est carré, l'intérieur. T'as du cash prize et du coup ils ont fait ok. Par contre moi j'ai une mauvaise expérience, c'est-à-dire qu'ils ont triché, donc après faut si on y va, va falloir être carré sur tout ce qui est les règles, quoi. Oui. Du coup, pas faire de cadeaux, quoi. Ouais, voilà, c'est vraiment pas de faire de cadeaux. Si on y va, si on fait pas de cadeaux. Mais vu que je suis un des seuls de mon équipe à savoir parler un anglais correct, bah du coup c'est moi qui suis le capitaine CGL. Ouais. C'est pas forcément ce que tu préfères faire en plus, quoi. Ah vraiment, moi ça me fait chier, hein. Ah, moi si je pouvais me passer de ça, ça serait bien, mais je suis le seul à parler anglais, donc on va le faire. Hein. Quand faut y aller, hein. Donc... Ok. Donc globalement, c'est un peu toi qui les a motivés à jouer le CGL, quoi. C'est pas moi, alors vraiment, moi j'étais pas pour qu'on aille jouer à la CGL. Hein. À la base, tu voulais pas le faire. À la base, moi je voulais pas le faire parce que j'ai eu des mauvaises... Du coup, j'ai eu une mauvaise expérience avec eux. Je sais que c'est des tricheurs, mais vu que j'ai Kalinat à mes côtés, qui elle est carré de fou, moi j'ai fait bon. Bah vas-y, hein, on va y aller, puis on va voir. Ouais, tu dis, ouais, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi, au final. D'accord. Tu t'es dit, finalement, bah vu qu'il y a Kalenat, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ouais, s'il y a un problème, elle me fait chier, mais elle me fait chier dans le bon sens. Ouais, c'est pour le bien, quoi. Je te fais des bisous, quand même. On est sûr qu'elle t'écoute, là, actuellement. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et donc du coup, vous êtes inscrit au CGL, vous le faites actuellement. On va revenir un tout petit peu sur votre début de saison qui était... Pas incroyable au tout début, il faut dire ce qui est. Vous avez commencé par deux défaites 3-2 contre donc sur vos deux premiers weeks, contre des équipes qui, je pense, vous étiez quand même favoris sur le papier. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu du mal en début de saison? C'était juste le fait qu'il fallait se mettre dedans, ou il y a eu des petits problèmes? Qu'est-ce qui vous a fait défaut au début? Déjà, nouveau tournoi, nouvelles équipes, donc on ne connaît absolument personne. Donc du coup, bah, t'arrives dans des tournois, tu ne sais pas à peu près le niveau, t'es content d'avoir gagné un tournoi, donc forcément ton niveau il va descendre. Donc le premier match, on perd les deux premiers matchs 3-2, il y a un match où je fais pas mal de merde moi de mon côté, où les calls sont pas là, bref, j'étais confiant. On va dire que moi j'étais assez confiant sur les matchs. Il y avait une équipe qui avait des bons DPS aussi, qui nous ont pas mal fait chier, donc celle-là... Je veux dire que c'était pas une défaite méritée parce qu'on jouait pas au meilleur niveau, mais l'autre, on peut dire que c'est pas mal de ma faute. Mais finalement, on est en train de se rattraper, là on est en 4-2. Largement. Apprends. De quoi? Largement, là vous vous rattrapez bien. Hein. On se rattrape tranquillement, là on va affronter... merde. Ah, vous voyez comment je suis intéressé par ça? Troglodyte. Putain, quoi. Troglodyte.
Troglodyte, qui est actuellement, de mon point de vue, première. La meilleure équipe du... Qui est probablement la meilleure équipe. Je connais pas du tout l'effectif. Attends, je vais regarder l'effectif. L'effectif, il y a Jacuri, Jackie Boy, Carmo, Ikaru. C'est des joueurs de mémoire, hein, je me souviens plus des autres. Ah, hop. Troglodyte. Jacuri, Vardo, Win, Jackie Boy, ER 2535. Ouais, en fait, je connais pratiquement personne, mais ils gagnent sur les... C'est des très bons joueurs individuellement pour le coup, ils sont très très bons. Ok. Et après, moi, de mon point de vue, par exemple, nous on les a joués il y a 3 ou 4 semaines, c'était la semaine après qu'on vous ait joué vous. Et on avait perdu 3-1, mais pour le coup, on avait très très mal préparé le match. Mais je pense qu'ils sont largement prenables sur des compos Mirror, justement. Genre sur la méta Mirror, imaginons en duel spam, en duel rush, je pense que c'est une compo, enfin c'est une équipe qui est largement prenable. Je pense que leur force, c'est surtout qu'ils sont très clutch, quoi, on va dire. Ils sont tous très clutch, ils ont des DPS qui sont très bons, ils ont des tanks qui sont très très bons sur ball aussi. Et je pense que ouais, c'est une équipe qui arrive surtout à surprendre parce qu'ils peuvent jouer des compos assez atypiques sur leur force. Mais je pense que sur une méta pure en Mirror, il y a des équipes qui peuvent les battre. Okay. Mais c'est vrai qu'au vu de leur performance, notamment en scrim, parce que c'est une équipe qu'on a... Bah, je crois que c'est l'équipe qu'on a le plus scrim en tier 4. C'est vrai que ouais, ils sont forts. Après, moi, je vais pas te mentir, j'ai cette facette de ma personnalité qui me fait ne jamais partir perdant. Ah, mais de toute façon, clairement, oui, il faut pas partir perdant. Et moi, je suis sûr et certain qu'ils peuvent, tomber. Hein. Moi, je pense que nous, avec Overlord, on peut y arriver. Et je suis, de toute façon, moi, je vous place Nexus au même niveau que Troglodyte, dans tous les cas. Donc, ouais, je pense que ce match, vous pouvez largement le gagner. Hein. Surtout au vu de vos perfs récentes, où vous êtes sur une très bonne lancée. Je pense que là, vous pouvez leur claquer le cul, si j'ose le dire. Grâce à votre lancée, quoi. En ce moment, en plus, de mon point de vue, je me sens à l'aise sur boule, je me sens à l'aise avec mon équipe. Donc, juste moyen, en fait. Ah bah oui. Bah, de toute façon, si vous êtes bien préparé et confiant, je pense que il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi. C'est ça. Ok. Et qu'est-ce qui vous a permis de rebondir, du coup, après ce petit début un peu difficile au CGL? C'est quoi qui vous a permis de rebondir et d'être l'équipe forte que vous êtes actuellement? Pas énormément de choses, je vais pas te mentir. Juste on joue en équipe, on se dit bah ok, on a chié les 2 derniers matchs parce que bah confiant, trop confiance sur les derniers tournois, ce qui est un peu normal. Moi j'ai mal joué aussi, donc on va juste se reconcentrer, on va faire des scrims, on va commencer à scrim des teams anglaises. Et c'est ce qu'on a fait, on scrim pas mal de teams anglaises. Et juste se reconcentrer, se dire qu'on est toujours nul et qu'on n'est pas plus fort que les autres. Et avec cette mentalité-là, t'arriveras toujours à faire un truc parce que t'auras toujours un focus mentalement. Ouais. Vous avez en quelque sorte reset mindset, quoi. Ouais, c'est ça. C'est reset mindset. Là, je l'avais dit, je l'avais call dans un scrim où on avait genre peut-être 3 minutes 45 pour prendre 20 mètres. Et ils y sont pas arrivés. Et j'ai call à la fin. Mieux vaut prendre 30 secondes à rester au spawn, à juste se poser des questions sur une compo qui est possiblement infaite, que de passer 3 minutes 45 à se faire défoncer le cul parce qu'on est en train de paniquer et on sait qu'il n'y a pas grand chose à prendre. Ouais. C'est toujours mieux, je préfère qu'il passe 30 secondes au spawn en train d'élaborer une stratégie plutôt que d'y aller dans le tas sans y avoir réfléchi. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais ça, quand t'es en game, c'est compliqué mettre en place. Ouais, c'est sûr. Et ça, faut de l'expérience. Et dans mon équipe, les gens qui ont de l'expérience, ils ne sont pas nombreux. T'as Kaza. Riffmel, ouais. Kaza, Riffmel, Iron un peu, mais Iron pas au niveau. Il y a que moi qui ai l'expérience de haut niveau. Au final, c'est toi qui lui rapporte cette expérience. Oui, c'est ça. Mais du coup, moi, mon but dans l'équipe de Nexus, c'est qu'à la fin, en fait, qu'ils arrivent à se débrouiller sur moi au niveau des compos, ouais, s'ils arrivent à devenir autonomes ou genre des matchs où j'ai rien à dire, c'est là où ils auront atteint le maximum que je pourrais dire, tu vois. C'est là au final, ben, tu pourras te dire, ben, c'est bon, j'ai terminé mon boulot, quoi. Là, ils sont bien, quoi. Non, mais ils sont encore loin. C'est sûr, mais ils sont sur la bonne voie. Ça, c'est une certitude aussi. Déjà, j'ai vu qu'il y en avait un qui était bientôt GM. T'as Fafa qui est bientôt GM. Kaza, il s'en est approché, même s'il a perdu pas mal de points. Donc, d'un côté, bah... Eh, ça marche. Hein.
Ah bah ça marche très bien, ça se marche très bien, ça se voit en enquête comme tu nous le dis, sur vos résultats CGL récents. C'est sûr que là vous pouvez être que content de vos résultats actuellement. Et vous pouvez être content aussi de vos deux dernières recrues, on va en parler un petit peu. Vous avez ajouté deux nouveaux joueurs en renfort dans votre équipe qui sont Batan et Hugo Jupix, il me semble. Déjà, pourquoi ces choix ? Pourquoi ces choix et qu'est-ce qu'ils apportent à l'équipe ? Bah, ils apportent pas grand-chose, ils étaient là, sans team, donc on leur a dit bah venez parce que vous comblez les trous, quoi. Bah, c'est nickel. Non, en vrai de vrai. Moi, je savais pas du tout. On m'avait dit que Batan jouait pas trop mal et que Hugo aussi. Moi, j'ai fait bah, on peut toujours les tester, voir ce qu'ils donnent. Et Batan, elle m'a vraiment impressionné sur son heal, vraiment. Genre, j'ai call après à mon équipe après les premiers scrims, j'ai dit putain, en vrai c'est peut-être un petit diamant, vraiment. Parce que juste dans ses positionnements ou dans comment elle joue Overwatch avec du ping, je la trouve tellement carrée dans ce qu'elle fait. Des fois un peu trop coquille. Coquille, ça veut dire qu'elle overextend un peu pas mal. Ouais. Mais dans ses déplacements, dans ses speeds, surtout avec son Lucio, avec sa Ana, je la trouve tellement, tellement sage, tellement carrée, que moi, elle m'a impressionné la première fois que je l'ai vue. Moi, j'étais trop heureux à la regarder, ça me passionnait. Bah, c'est donc Batan, elle a vraiment impressionné quand elle jouait, même sur sa Merci. Batan était vraiment forte et j'avais jamais vu jouer avant, donc j'étais vachement surpris. Et Hugo aussi, il a une communication in-game qui est vraiment trop cool à avoir. C'est-à-dire que il joue main tank, non ? Il joue main tank, mais il va parler. Il va parler beaucoup et il va parler énormément. Il va donner des compos, il va donner des plans de jeu. Bon, des fois, il ne donne pas les meilleurs compos. Il donne pas les meilleurs plans de jeu. Mais en tout cas, il parle. Et en parlant, bah, il donne des idées. Et quand il fait une erreur, bah, moi, je le reprends. Ou alors, il le sait, lui. Ouais. Et en plus de ça, il est assez jeune. Donc, il a cette explosivité qu'a les jeunes joueurs. Cette explosivité que moi, le boomer, je n'ai pas. Boomer APM, les Leave Me Alone. Et en vrai, moi, j'aime beaucoup l'avoir en main tank. Ça me fait plaisir, hein, ça me fait plaisir, parce que là, il a l'air aussi d'avoir joué, parce que tu sais, des fois, moi, je propose pendant les maps, est-ce que vous voulez que quelqu'un sorte pour me rentrer moi. Et moi, il me dit non, moi, j'ai envie de jouer. Donc, moi, pour le moment, moi, les deux recrues qu'on a eu là, moi, je suis ultra content de les avoir. Jupix, je pense, en vrai, il va apprendre beaucoup. Déjà, je lui ai expliqué comment jouer Anubis hier, donc j'ai pris pas mal de temps. En partie perso pour l'expliquer. Et ça me fait ultra plaisir. Ah bah c'est parfait alors. Du 109 du coup, ça fait toujours du bien dans une équipe et ce que tu me dis de très bons joueurs en plus. Donc bah écoute, tant mieux. Ouais. Ouais, de quoi continuer sur votre bonne lancée. Ça va être cool ça. Notamment je pense pour Troglit, ça va faire du bien justement d'avoir un joueur comme ça, vocal, ouais. Qui puisse apporter beaucoup. Et enfin, pour terminer sur Nexus, si tu avais un peu pareil que tout à l'heure pour Odinette, est-ce que tu as un joueur à mettre en avant dans cette équipe ? Désolé, j'étais muté. Bravo. Désolé, j'étais muté, j'envoie un petit message. Un joueur à mettre en avant dans cette équipe ? Oui. Ouais, mais moi, c'est pas... Enfin, moi, ça va... Dans cette équipe-là, j'ai trop de gens que je connais depuis longtemps, donc je peux pas... Tu sais ce que je veux dire ? Oui. Moi, pas vraiment de personnes, même je sais pas, quelqu'un qui t'a vraiment impressionné dans l'équipe ou tu t'y attendais pas quoi. Moi c'est deux personnes forcément qui moi sont avec moi depuis le début, c'est Fabien, t'as Fabien et Fabien et Kalinat. Kalinat c'est plus, c'est pas forcément à l'intérieur de l'équipe qu'elle va jouer, c'est vraiment en termes de gestion de l'équipe où elle est incroyable parce qu'elle nous fait elle fait des petits rappels, elle organise des scrims, elle organise des trucs dans l'équipe. Bonne manageuse quoi en fait. Elle ça structure bien manager. L'équipe. Et quand elle est en jeu, en ce moment, elle est un peu moins, elle joue un peu moins. Elle préfère se bench pour laisser jouer les gens. Et bah même en dehors, elle donne des petits conseils et tout. Et elle est là depuis le début aussi, en fait. Hein. Elle est là depuis le début. Donc sans Kalinat, moi, je ferais pas son travail, tu vois, par exemple. Ouais. Moi, je ferais jamais le travail à sa place. Ah, je comprends ce que tu veux dire parce que la saison dernière en tier 3 c'était un peu. Mais en fait, ce que tu dis, je me retrouve un peu
avec Overlord T3 la saison dernière, on avait la capitaine de l'équipe qui faisait un peu le même boulot que Kalenat, qui faisait tout le management et tout que personne voulait faire. Et c'est vrai qu'on s'est toujours dit, si elle était pas là, vas-y, on serait dans la merde, quoi. Donc c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire, parce que je me retrouve dedans, et c'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un qui s'occupe de tout ça, quoi. De bien gérer l'équipe, que ce soit structuré, avoir un bon management et tout, ça permet qu'au final, après, tes joueurs, ils soient focus que sur le jeu, quoi. Ouais. Et ça, c'est bien, quoi. Et mon deuxième joueur que je mettrai en avant, bah, c'est un de mes potes, hein, c'est Fabien Warrior, mais c'est pas forcément parce que c'est mon pote que je le mets en avant, ou c'est pas parce que Kainat, c'est ma copine que je vais la mettre en avant aussi, c'est pas parce que c'est ma femme que je vais la mettre en avant. C'est Fabien. Déjà, il faut savoir qu'il a joué chez Shattern. Ça, je le savais pas, tu vois. Il a joué chez Shattern. Bon, un peu boosté par moi, il est vrai. J'ai fait, tiens, lui, il est pas mal en off-tank. Et du coup, ils l'ont pris, hein. Et, juste, Fabien, il va avoir une envie de travailler. Il va avoir, je sais pas comment expliquer, c'est mais... C'est un bosseur, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un bosseur. Dire qu'il va être là au scrim, il va mettre de l'intensité dans les calls, il va dire ce qui va pas. Il est là depuis le début, comme Kalinat. Et moi, je le connais depuis très très longtemps, donc quand je suis en duo avec lui, bah forcément, je me sens beaucoup plus à l'aise que si c'était avec quelqu'un que je connais absolument pas, tu vois, par exemple. Ouais. Genre avoir Fabien avec moi, bah c'est toujours un plus. Parce c'est que, une valeur sûre, quoi. C'est ça, je le connais. Ouais. Je le connais, hein, tu vois, donc... Mais au-delà de ça... Juste, il s'entend bien avec l'équipe, il est gentil. Moi, c'est juste, voilà, c'est un mec sur qui on peut compter dans l'équipe, quoi. Ok, bah c'est cool alors. Hein. De toute façon, j'ai l'impression que vous êtes tous dans un bon mood et que de toute façon l'ambiance elle est très bien hein, en ce moment. Et ça vous réussit très bien. Ouais. Bah, tu vois, par exemple, le seul problème que j'ai dans mon équipe, j'en avais déjà parlé en scrim, c'est que je leur fais pas totalement confiance à mon équipe. Mais c'est pas forcément parce qu'ils sont mauvais, c'est juste que quand je jouais chez Odinette, j'avais confiance en tout le monde. Et que ici, vu que le niveau est complètement différent, bah du coup j'ai un peu plus de mal à me donner en fait. Tu vois, j'ai un peu plus de mal à faire confiance à mes teammates. Et ce qui est d'un côté c'est normal, tu vois, il me faut du temps. Oui, c'est normal, oui. Mais c'est le seul truc qui, pour le moment, moi, me fait défaut. D'accord. De toute façon, on a toujours tous des trucs à travailler. Et pour ton cas, du coup, c'est s'adapter du coup à un tout autre niveau. C'est un peu ce que j'avais dit à Aksha quand il a rejoint Overlord. C'est pareil, je le dis par contre, c'est pas Odinette quoi. C'est pas le même niveau. Pas. À mon avis, je l'ai vu qu'au spawn. Coup dur pour le jeune TP. Il se fait tacler. Taclage. Écoute, pour Nexus, c'est fini. On a bientôt fini cette interview. On va terminer avec du coup le tier 4. Je sais que ça c'était le moment que t'attendais le plus. Ah hein. Oh, non, je suis passionné par la discussion. Donc, ah, c'est fou ce qui se passe. Pas vrai. Quand on peut voir ta joie actuellement. Oh là là. Oh, on va parler de Shibuya, de Yes, de toutes ces équipes-là incroyables. Ça va aller très vite de toute façon, je pense. Ah, on arrive à la fin, il y a pas beaucoup de questions. Mais déjà, est-ce qu'il y a quelques équipes déjà qui pas vraiment qui te claquent à l'œil, mais est-ce qu'il y a des équipes tu les vois vraiment genre favorites ou est-ce qu'il y en a que tu les trouves vraiment très fortes Mon équipe toujours en favorite de toute manière. C'est une très bonne mentalité, ça c'est sûr. C'est vrai que moi j'ai pas de roster, tu vois, mon roster T4 qui existe pas dans le. Il n'existe pas dans le truc des T3, T4, Captain Server. J'ai pas d'équipe, c'est pas mis. Enfin bref, c'est pas le truc. Oui, je vois ce que tu dis. C'était pas la question. Ouais, non, mais je sais, mais du coup... attends, je vais aller sur le truc des... Enfin, bref, non, je vais faire de là en fait. Je te dis, moi je m'intéresse pas forcément aux équipes. Ouais. Qu'on affronte Pierre, Paul ou Jacques, ça me fera aucune différence. Si je dois gagner, je gagnerai. Il n'y en a pas qui ressortent du lot ou non, tu mets tout le monde sur le même pied d'égalité et puis tu dis c'est une équipe quoi. C'est un peu ça moi dans ma tête. Ok. Qui est premier là? C'est Legacy et Troglodyte. Troglodyte, Legacy sont derniers, ils ont disband. C'est un bail pour tout le monde. Ok, c'est un bail pour tout le monde. Legacy et Evenly, c'est deux équipes qui ont disband.
Ouais, ça j'étais au courant. Keyblade, Keyblade on les a affrontés, je crois, Keyblade. Keyblade c'est votre défaite week 2, je crois. Oui, ça doit être ça, parce que votre défaite Keyblade, week Keyblade, 1... Keyblade, on aurait pas dû perdre contre eux. Je suis en train de revoir Ace Kebab, je crois qu'il est français Ace Kebab en plus. Je sais pas du tout. Si, tu sais pourquoi? Parce qu'il est dans le serveur OCG. Ah. Ah, moi je suis un peu un investigateur incroyable, hein, je... Ah, je... Il y a quelques Français dans notre équipe de CGL, hein, parce que par exemple il y a T1SN qui a rejoint Olsum. Ah non, 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 pas du tout en fait. Peut-être non, non, je suis juste con, je crois. C'est bon, moi je suis juste con. Bah, bravo. Bravo. Non, il n'y a pas une équipe qui me saute aux yeux. Ok, ok. Ah, c'est bien parce que du coup, c'est Rimek. Rimek, ils font toujours ou pas le CGL? Ils sont jamais inscrits au CGL, Rimek. Moi je les vois en plus dedans. Oui, parce qu'en fait à la base ils ont rejoint le Discord parce qu'ils voulaient s'y inscrire. Mais finalement, au dernier moment, ils ont dit non, finalement on va plutôt faire le Magic Tournoi. C'est vrai que bon, là il y a vraiment. Donc, du coup, non, ils l'ont jamais fait, ils sont jamais inscrits au CGL. Ok. Et. Bah, il y a une équipe que je dois faire, qui doit me faire peur à moi, c'est soit Améthyste, soit Troglodyte. Améthyste te fait peur? Quand je vois les noms, genre, je me dis que. Ça peut me faire chier. On a perdu contre Améthyste. Après, j'ai trop ce jour-là, mais je me rappelle que j'aimais pas jouer contre eux. C'est juste sur mon sentiment, tu vois. Ouais, c'est personnel. Olsem, ils ont recruté Shoten aussi, au fait. Je vous connais pas du tout. Ok, ok. Donc ouais, peut-être Troglodyte, parce que forcément, ils sont premiers, quoi, mais... Ouais, bah ils ont pas perdu contre eux. Au vu de leur équipe, on gagnera. C'est bien de partir confiant, de toute façon. Et on vous souhaite que ça. Et en termes de niveau global dans le CGL, tu trouves que le niveau global il est comment? C'est de la merde, non? La merde? C'est cool. Bah non mais T4. C'est-à-dire que c'est bien, hein, on joue pas trop mal, mais... Comment t'expliquer, mec? Je peux pas dire que ce soit de la merde. J'avoue, j'ai peut-être un peu abusé en disant que ça a l'air le T4, ça va, ça commence à bien jouer. C'est toujours sur des strats basiques où... Enfin, c'est pas trop compliqué à comprendre. C'est cool à jouer, mais bah, dis-toi qu'on avait le choix entre le T6 et le T4 avec Nexus, parce que du coup on était la seule équipe inscrite en T5. On est parti en T4, moi j'étais friand de partir en T6 parce que bah forcément on allait se faire péter le cul, mais on allait se faire péter le cul en apprenant pas mal de choses. Après bon, les choses ont été que bah, ils ont préféré aller en T4, ce qui est pas trop mal non plus parce que on est quand même en train de galérer, mais ça me ferait chier de gagner la T... Ouais, je sais pas. Je sais pas. De toute façon, après, j'allais te demander où est-ce que tu situes Nexus dans le CGL. Premier. Vous voyez où, de toute façon. Bah, c'est sûr. Premier, deuxième. Ça serait. Arriver troisième, même deuxième, ça me ferait chier, tu vois. Moi, je. Ouais, tu veux faire au moins la finale, quoi. En fait, je joue pour gagner. Enfin, plus que les autres, je pense. Ouais. Après, c'est parce que j'ai peut-être un ego aussi, tu vois. Mais je me vois pas autre chose que premier. Ah, finalement, c'est la mentalité que devrait avoir n'importe quel compétiteur, hein, que ce soit sur Overwatch. Exactement. Ou n'importe quelle compétition. C'est pas être quelqu'un de confiant, hein, c'est juste être quelqu'un bah, qui a envie de gagner en fait. Oui, voilà. Je suis pas confiant, je suis sûr de moi. T'es un compétiteur, quoi. Ouais, c'est ça. Je sais ce que je donne, je sais ce que. Enfin bref, je sais ce que je vois. Bah. On comprend, t'inquiète pas. C'est tout. D'accord. Et bah écoute, pour finir cette interview, est-ce que tu aurais un petit mot pour les gens qui t'écoutent, là, qui nous regardent? Un petit mot? Moi je dis, si vous voulez vraiment faire de la compétition Overwatch, changez votre ego de côté. Dans l'ordre, c'est genre... Prouver puis demander, c'est-à-dire prouver de quoi vous êtes capable et puis après demander aux équipes de bien vous demander ou même avant de dégo des gens alors que ça sert pas à grand. Prouver que vous êtes meilleur. Ne commencez pas à me sortir des trucs, ouais en ranked j'étais ça. Ranked ça veut rien dire. Ranked c'est pas un achievement. Allez rentrer dans des équipes, soyez part d'une équipe pendant longtemps, essayez de la faire avancer ensemble et ensuite vous pourrez dire ok j'ai fait 2-3 trucs. Ne demandez pas avant d'avoir prouvé, c'est-à-dire ne n'allez pas dire ouais moi je suis bon, je le sais, etc. si vous n'avez rien fait. C'est prouver avant de demander et pas demander avant de prouver.
Voilà. Bah écoute, c'est une très belle fin pour cette interview, de très bons mots qui, je pense, inspireront tout le monde, et dans tous les cas, on devrait s'en inspirer. Le penseur de Grodin. De toute façon, t'es un exemple pour nous tous, Schnezel, ça c'est sûr. Vraiment pas. Vraiment pas. Allez. Enfin bref, bah écoute, sur ce, l'interview est terminée du coup, mon bon Schnezel. Trop bien! Moi j'étais très content de te recevoir dans l'émission. C'était un peu plus long que prévu. 1h30. Je parle, hein. Ah, tu parles, oui, c'est vrai. Tu parles, et puis j'ai pas mal de questions. Si finalement je pensais que ça allait être moins long que l'interview de Khaled, mais au final ça dure le même temps, quoi. Presque 1h40. Discute le temps. Donc on aura bien parlé de pas mal de sujets. Donc écoute, je te remercie encore une fois d'être passé dans l'émission. Ça fait toujours plaisir, hein, d'avoir un petit peu plus de visuel sur le joueur que tu es sur Nexus en tier 4. N'hésite pas à revenir quand tu veux, dans tous les cas la porte est toujours très grande ouverte. Moi je suis là, hein, de toute manière. Toujours. Moi je suis là pour raconter ma vie ou alors pour analyser des trucs. Des gens qui jouent mal, bref. Je suis là aussi. Allez. Bah écoute, c'est noté, je vais tout marquer dans un coin. Et sur ce, écoute, encore une fois, merci d'être passé. Un immense plaisir. Un immense plaisir. Un immense plaisir. Tu vas fort. Ah non. Ok. Un immense plaisir, j'ai dit. Ok. C'est bon. Écoute, passe une bonne soirée du coup. Et puis, merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir invité. Passe une bonne soirée à toi aussi. Merci de nous avoir regardé, les gens. C'était fort plaisant. Parfait. Ce fut fort plaisant à moi aussi. Plaisant. J'aime bien parler d'autre manière. Donc bon. Pareil pour moi. Une fois qu'on me demande de parler, pas refusé. Du coup, on se retrouve. On se retrouvera peut-être un jour dans une prochaine émission. On se désèle. Pas de problème. Pas vraiment, petit Fredo. Parfait. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à toi. Et on se retrouve après cette interview de Schnezel. Merci Schnezel, la comédie antique, le bon Neil. J'espère que l'interview vous a plu. Comment t'as trouvé cette interview, Neil? Vas-y, dis-moi tout. Je sais que t'as pas tout écouté, parce qu'en même temps t'as sur Among Us avec les autres. Interview qui était un petit peu longue quand même, c'est vrai, 1h35. À peu près le même temps que l'interview de Kalen il y a 3 semaines. Ah, Schnezel qui vient d'arriver. Tu viens d'arriver, c'est-à-dire quoi? Que t'as fini ton scrim, là? Ah, je pense. Tu penses que t'as fini ton scrim, je suis sur Rocket League. Il arrive pile au moment où l'interview est terminée. Aïe. Super. Eh ben écoute, si ça vous a plu, tant mieux. Moi je le répète, hein, mais j'ai été content de le recevoir pour cette interview. On a parlé de beaucoup de sujets très intéressants, comme vous avez pu le voir. Notamment d'Odinette, de Nexus, du tier 4. On en apprend davantage sur le joueur qu'il est. Et ça c'était très intéressant, je pense. Donc on peut tous remercier Schnezel d'être passé. Schnezel est sympa en fait quand il est pas au cam. H24 sur Among Us. Ouais. Bon, en tout cas pour ceux qui auraient raté l'interview, elle sera disponible demain sur YouTube. Salut bébé Hugo. T'arrives quand c'est fini aussi. Il a dit du bien de moi, j'espère. Il a pas parlé de toi. Bon, comme ça c'est fait quoi. Il a parlé de certains genres de Nexus, mais toi, il t'a pas évoqué, quoi. C'est quoi la chaîne? La chaîne, c'est Onyx, c'est sur ton écran, dans mon overlay, en bas à gauche, c'est marqué. Il y a un petit logo YouTube, et à côté, il y a marqué le nom de ma chaîne. Par contre, Hugo, c'est vraiment une merde. Ouf, les durs sont moi du côté de Neil, hein. Parle pas trop, Neil, je te rappelle qu'on a perdu contre eux, donc on n'a pas le droit de parler. Surtout toi parce que t'es nul pour le coup, mais...
La chaîne YouTube c'est Onyx du coup, si tu sais pas lire Bébé Go. Elle sera disponible demain sur YouTube l'interview. Interview qui était longue, encore une fois, je rappelle 1h30. Yulju a voulu me solober avec Wedo, je lui ai mis une tête MDR. Aïe, Yulju il fait trop de chaud. Ça s'est passé comment ce scrim? Comment s'est passé ce scrim contre Chattern? C'était drôle. C'est toujours drôle le scrim Chattern de toute façon. Merci Batan pour le follow, ça fait plaisir. Un petit Yuji sont tous cadés pour Batan. Batan 110, attention. Bon, en vrai, le 110, on va l'enlever, mais. Batan, d'ailleurs, on a. Schnezel a parlé de toi pendant l'interview, d'ailleurs. Mais Bébé Hugo, non. Bébé Hugo, par contre, non, lui, on parle pas de lui, par contre. Mais Batan, oui. On a compris les aimables à compo qu'il fallait jouer contre. Ah bah parfait alors, tant mieux. Normalement ouais, normalement Nexus joue trop Claudite cette semaine il me semble. J'en ai entendu parler, c'est justement pour ça que je suis ici. Ah, malheureusement l'interview est terminée maintenant. Si tu veux revoir l'interview, il faudra attendre demain du coup sur YouTube. Elle sera disponible demain sur YouTube. Après, tu me diras, il y a la rediff aussi sur Twitch. Donc Nexus sans Ego, c'est dur, il n'y a plus de carré. Oula, je suis pas sûr de ça. Je pense que Nexus sans Ego, ils s'en sortent aussi très très bien. Hein. Ils ont pas besoin de lui. Comme nous, on n'a pas besoin de toi, Neil, hein, dans l'équipe, hein, finalement. Hein. J'irai chez Zog dès que je suis 4K. Des élèves à vanter tes mérites, ah, exactement. En fait, on a parlé des deux nouveaux. Des deux nouvelles recrues, de Batan et Hugo Jupix. Hugo Jupix, on en a également parlé. De toute façon, vous verrez tout ça demain pendant la rediff. Vu que, étant donné que vous êtes en scrim, c'est sûr que bah, on peut pas faire scrim et regarder l'émission en même temps. Ce qui est tout à fait compréhensible, on privilégie toujours les scrims. Bon. J'avoue, c'est ça. Sur ce, ben moi je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne soirée. C'est sympa d'être venu en tout cas sur le stream, il y a eu du monde, même si vous arrivez un peu après, c'est normal étant donné que vous avez vu un scream, mais ça fait toujours plaisir de vous voir arriver et d'avoir quelques petits follows. Je vous en ai gagné 2 follows. Je trouverai si on joue en playoff contre vous, Overlord. Overlord sans moi c'est plus fort, c'est vrai, je pense qu'on est plus fort sans toi. Bisous Schnezel. Donc moi, on va arrêter ce live tout de suite et je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée. En tout cas, encore une fois, mille merci d'être venu sur le live, ça fait toujours plaisir. On rappelle, émission tous les lundis soirs. Alors, pas tous les lundis soirs, il y a des lundis soirs où j'ai pas envie de faire d'émission et du coup je les fais pas. Voilà, parce que je suis pas très assidu. Non, en vrai, c'est juste que je fais ça pour le plaisir. Donc s'il y a une soirée que j'ai pas envie de faire des émissions, je la fais pas. Mais en tout cas, c'est tous les lundis soirs, une interview d'un joueur ou une voix de review. On n'oublie pas que le principe aussi de cette émission, c'est de faire des voix de review par rapport à des matchs ou des scrims d'équipe FR. Pour le moment, on a fait émissions, c'était deux interviews. Probablement une interview la semaine prochaine, j'en dis pas plus. J'ai quelques joueurs qui peut-être passeront la semaine prochaine pour une interview. Mais je n'en dis pas plus parce que rien n'est certain. Dans tous les cas, merci d'être venu. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour l'émission numéro 6. Pas l'épisode, pardon. Allez, bonne soirée les gars.